You make my heart beat, beat super fast. Super fast.
You make my heart beat super fast. Bonsoir tout le monde, c'est HD Nasty et on se retrouve pour le championnat QA, le groupe 2 en Russie. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà sorti des stands et actuellement je suis tout seul dans les bureaux de commentateurs. Mon petit MCMA il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais en attendant, moi je suis là pour vous présenter tout ça. Et j'espère en tout cas que vous allez bien. Et que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Alors que je tiens à préciser, ce Grand Prix était normalement diffusé lundi passé, mais à cause des bugs de Bugmaster, on n'a pas su diffuser et ni faire la course non plus. Donc on l'a reporté à ce soir. Et on a supprimé, je pense, le Grand Prix du Japon. Et salut à toi mon ami, comment ça va? Alors c'est parti, hein. Déjà des monoplates qui sont sortis sur la piste pour effectuer un tour chrono. Alors que je tiens à préciser, hein, c'est Q1, Q2, Q3. Après ça il y aura une pause de 5 minutes entre la Q3 et la course. Et après la course en 50%. Et ça risque d'être déhanché sur ce circuit qui est quand même assez technique, surtout sur les pneumatiques. Ils sont techniques. Allez, c'est parti, on va aller se mettre en caméra embarquée. Et voir ce que ça dit pour nos amis pilotes. Ah ben salut à toi Max, ça fait plaisir que tu es là. Et salut César. Hola mon ami, hola amigo. Ah je suis déchaîné ce soir les amis, je vous le dis. Et attends, il n'y a pas encore Mike. Hein. Mike il va seulement arriver après. Donc ça va être déchaîné ce soir. On le sent bien et on a déjà un premier chrono de Dark Smoke qui nous a pris la pole position en 1:32.302. Non, bah, on va arrêter de blaguer là, c'est bon. Suivi de Case Amdrap qui a fait 1:32.412, qui prend la deuxième place. Et on est sur lui justement. On va voir s'il va améliorer son temps.
Et on va passer sur tout le monde, pas d'inquiétude les petits amis. On va essayer de passer sur tout le monde. Pas de déception, tout le monde va passer à la télé. On va bien rire, mais oui, c'est fait pour ça le live. C'est rire avant tout et passer du bon temps les amis. Et n'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas encore follow, faites-le, ça coûte rien. Vous ne devez même pas payer 1€ pour le faire, juste un petit clic. Clic, et moi ça me ferait super plaisir. Alors ce virage il est assez hard parce que comme on arrive dans une fameuse ligne droite, si on fait un freinage trop tardif, on continue tout droit tout simplement. Hein. Et si c'est trop tôt, on perd du temps. Allez, les temps ils commencent à tomber. Hein. Attention, Negan qui vient de signer à 1:32.692, donc 92 pour les Français. Eh oui les potes. Et Sativa 1:32.957. Et Sam qui fait 1:35.779, donc 79 pour les Français. Et Dark Smoke qui a tapé un temps direct. Bah bon, je pense qu'il y a raté de possibilité de le battre. Reste à voir maintenant. N'oubliez pas que nous sommes qu'en Q1. Il y aura encore la Q2 et la Q3. Et Luca qui vient de faire 1:44.666, le chiffre du jab. Et attention là, Negan qui est sorti un peu. Est-ce que ça va porter chance ou malheur ça? Et là, je vois pas le nom. Donc, je sais pas qui. Il va effectuer son tour. Ah, mais non, il a déjà fait 1:35.179, donc 79. Mais c'est marrant, je vois pas c'est qui. C'est Mystère et Boucle de Gomme. Alors c'est Brandwick, c'est vrai, je viens de le dire. Mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je vois pas son nom apparaître, tiens. C'est bizarre. Et attention de pas gêner, hein. Ben non, il est là. Oh là là, je comprends plus rien, là. Bon, bref. Il y a deux fantômes. Dans le championnat. Alors Louise, putain, j'arrive sur le live et je me tape une pub. Je savais que tu faisais ça pour de l'argent. Ah, et toi alors, toi, c'est pas avec Twitch que je triche, hein, je te rassure, hein. C'est du fait que je me suis affilié, voilà, ça a tapé une pub. Hein, tu vas pas mourir pour une pub de même pas 10 secondes, hein. Tu vas pas commencer à me la faire, hein. Il y en a qu'une de toute façon, c'est dès que t'arrives, t'en as une, voilà, tu regardes la petite pub, c'est Noël en plus, je pense que t'as une fameuse pub avec le Père Noël. Et après t'es tranquille mon ami, t'es tranquille. Bah attention, bon allez, on va se concentrer un peu sur la course, enfin la course, les qualifications, excusez-moi. Et les chronos, ils commencent à tomber. Hein. Et attention, nous avons déjà Lucas qui est disqualifié. Qui a fait en plus 1:44.666, chiffre du jab. Mais bon, c'est un temps assez large. Est-ce que il va rester en Q2? Je ne pense pas. Mais bon, on verra ça à la fin, les amis. Netbok il commence à m'énerver là, à spoiler tous les 30 secondes mes chaînes. Je veux bien que tu le mettes, mais voilà quoi, pas aussi rapide alors que j'avais mis tous les 10 minutes. On va régler vite cela. Alors ça c'est bon. Là. Et pareil pour celui-là. Et on va le mettre en 15. Et. Dealing. Voilà, c'est réparé. C'est réparé. Et voilà, on revient à notre dada. Et je me fais spammer sur mon téléphone. C'est qui me spamme? Bah, c'est personne.
Il avait envie de vibrer. Alors, nous sommes sur Tom. Et on va voir ce qui va nous effectuer comme chrono. Et attention, ça sort très large, là. Parce que le temps est pénalisé. Je ne serais pas à vous dire comme ça. Un peu compliqué, hein, ce secteur-là. Hein. Moi, j'adore ce circuit. Franchement, moi, je le kiffe. Je le kiffe. Ah ouais, les potes, je le kiffe. Voilà, je suis vraiment motivé cette soirée. Je sais pas pourquoi. Peut-être le riz que j'ai mangé. Et voilà, il effectue 1.35.934. Malheureusement pour lui, ça ne fait pas placer très haut. Et voilà, Brent Biggs qui est parmi nous. Mais je demande bien, c'est qui le pilote Ferrari là, et le pilote Renault que je ne vois pas. C'est quand même bizarre. Dites-le moi les amis, ceux qui sont sur le live et qui regardent, qui sont dans le championnat et qui regardent le live, c'est beaucoup mieux comme ça. Dites-le moi c'est qui, parce que moi, je le vois pas. C'est les messieurs fantômes. Et attention, ça sort encore, c'est très compliqué hein, ce secteur-là. Je pense qu'on va avoir pas mal d'erreurs ce soir. Oula, en parlant d'erreurs, une voiture carrément... contraire, le sens contraire, et je pense que c'est Tigrou, je suis pas sûr. Ouais, c'était Tigrou. Drago aussi, il est sorti, je pense que tout le monde est sorti là. Et n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, je serai ravi de lire vos commentaires et de parler avec vous les amis. Je me sens un peu seul là dans ma petite cabine de commentateur. En attente de MC Mike. Il va arriver. Un petit peu en retard, mais il va arriver. Donc n'hésitez pas. Alors le 7ème c'est Pollux. Ah ouais, ok. Ah, maintenant qu'il est passé 8ème. Hein. Et le 5ème, vous savez pas c'est qui en Renault? C'est Tom, oui, ça je le vois, mais... La fois passée c'était Mounir, mais bon, comme tous les titulaires sont là ce soir... Et je pense que c'est une première hein, que les titulaires sont là ce soir... Bon allez, encore... Renbix qui a pas signé de temps, Franck... Dragao et Yogo Taga. Et il nous reste presque 5 minutes de qualification. Ah, c'est César. Ah, bah ouais, il me semblait bien. J'étais en train de me dire, mais tiens, il est où mon ami César? Ah, bah voilà, c'est bon à savoir. César, il est 5ème. C'est quand même bizarre. C'est ouf, hein, quand même, que je vois pas les noms. J'espère qu'en Q2, ça va se débugger et que je vais voir tout, parce que... Imagine, j'ai une course comme ça, à la course, que je ne vois aucun pseudo de personne. Ah, ben j'aurais juste dire pilote Ferrari, pilote Mercedes, pilote McLaren. Ça risque d'être compliqué. Hein. Ben voilà, ben maintenant on sait qui sont les pilotes fantômes. Et encore merci à toi, Jerry. Ça a l'air vachement de glisser hein, ce soir. Hein. Et attention, après on va voir niveau stratégie des pneumatiques. Parce qu'il y a l'embarras du choix sur ce circuit. Dragao qui est passé quand même 5ème là. Hein. Et Dark Smoke qui se fait pas arracher son temps. Hein. 1.31.909. Il se le fait pas arracher en tout cas. Jusqu'à ce qui est passé en deuxième. Ouais, Sativa, Negan, Dragao, César, évidemment. Pilote caché. Et attention, on a encore deux pilotes. Ça meilleure toujours pas son temps, hein. Je pense qu'ils font des erreurs. Et évidemment, quand on fait des erreurs,
Bah le temps il est pas compté. Allez, on va voir s'il va effectuer un temps de chrono. Eh oui, il est passé en troisième position, 1:32.513. Allez, il n'y a plus qu'un pilote. Et il reste 3 minutes de qualification Q1. Et c'est vrai, j'ai carrément oublié de mettre mon petit bazar que j'avais dit j'allais le mettre. Et je l'ai carrément oublié. Bah tant pis, je le mettrai pas. Ou je le mettrai pas. Allez, on va le mettre. Je l'ai complètement oublié de le mettre. Allez, c'est parti, on va le mettre. Voilà. Je fais des choses, moi, pour pas les mettre, moi. C'est... voilà. C'est des oublis. Ça, c'est quand t'es tout seul que tu dois tout gérer. Et c'est vrai, j'ai même pas fait la représentation des classements pilotes. Et on va revenir, à mon avis, en Q2. On va passer à ça. On va attendre ici. C'est pas facile, hein, quand tu dois tout gérer, hein. C'est pas facile, pas facile, hein. Le Bix, il laisse passer tout le monde. Il faut pas qu'il oublie qu'il a un temps encore à faire. Et je pense qu'il a plus de carburant en fait. Ah c'est ça, il a plus de carburant. Donc il va rentrer au stand. Dans les pits, dans les box. Allez, on va aller voir un peu. Dragao qui est en tour lancé, qui va améliorer son temps. Et comme je l'ai dit pour Lucas, voilà, il a fait 1:44.666. Ouh, attention, cette petite bosse qui est un petit peu violente ou tout juste. Pas de casse. Mais il y a moyen qu'il fasse une petite marche arrière, attention de déranger personne. Et voilà, comme je le disais, il est disqualifié, donc il va pas passer en Q2, malheureusement. Et alors, on va aller voir un peu ceux qui sont en danger. Voir si ça va améliorer. Et je l'espère pour eux, parce que là, ils sont vraiment en danger. Il ne risque de pas passer cette Q1 et tout simplement de pas être en rendez-vous pour cette Q2. Par contre, je sais pas quel temps il va faire pendant la course. Ouh, attention, ça dérape. Hein, on a insisté un petit peu à du drift là. On a bien le drift, mais c'est pas Tokyo Drift ici. Hein. Et tant que je disais ça, il a amélioré, il est passé 7ème. Allez, on va voir ce qu'il va faire un peu notre pilote Ferrari. Ah, ça risque d'être compliqué là. Et attention, on arrive au temps. Pour passer cette ligne d'arrivée. Donc ceux qui sont encore en piste, ils vont faire tout et le maximum. Mais pour réussir, ça ne passe pas. Il sera donc éliminé pour cette Q2. On va attendre la fin pour bien être sûr. On va pas dire des sottises. Alors, Negan qui nous dit dans le chat, sec pour la course, pas de pluie, dommage. Ah non, c'est bon, on a assez galéré avec cette flotte. Déjà que Monza, ça a été cruel, un vrai massacre. Au moins, peut-être moins de voitures de sécurité, j'arrive plus à parler. Ouais. Ah ouais, plus d'essence non plus, ça commence à être compliqué là, et ouais, il n'y a plus que cela en fait. Les autres sont déjà passés la ligne d'arrivée. Et ça va être la fin hein, pour cette Q1. On va rester sur Sam qui est en train de ramener sa monoplace.
sans carburant, bien sûr. Et ce sera la fin pour cette Q1. C'est très long, hein, quand on n'a plus de carburant. Ah, salut Tigrou! Finalement, j'ai pas fait des tours, même si je suis malade. Ah non, excuse-moi, j'ai mal lu. Finalement, j'ai fait des tours, même si je suis malade, mais j'espère que ça va en tout cas mieux pour toi. Que je vois que tu es malade. J'espère que c'est pas trop grave quand même, mon ami Tigrou. Faut demander à oui, du miel. Ça va te rétablir là, mon ami Tigrou. Du miel, du bon miel, du miel. Et voilà, on va aller voir qui sont les éliminés pour cette Q1. Alors, c'est Tom, Yashi, Lucas, Brandbix, voilà, les 4 éliminés qui ne passeront pas pour cette crue 2. Malheureusement. Purée du miel, mais je vais te quick. Ah, tu sais bien, Tigrou, hein. Tu sais bien, mon ami. Mais bon, c'est pour la rigolade, hein, ne t'inquiète pas. Ne change surtout pas ton pseudo, j'adore. Mais c'est pas parce que je te dis de pas changer ton pseudo que je vais arrêter de te vanner, hein. Ça, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. J'aime bien vanner les gens quand ils le prennent bien à la rigolade. Ça fait toujours plaisir. Ah, et je commence à perdre ma voix, là. C'est dramatique. Allez, on va remettre vite tout ce qu'il faut pour être bien. Et voilà. On est bien. Et je vais me sur... Hein? Ah, t'as écrit un trop long mot, là. J'ai même pas envie de le lire. En plus, t'as tout collé. T'exagères, là, Tigrou. T'exagères. Ah, voilà. Stop les vannes sur moi. Là, c'est mieux. Quand tu vois, c'est décalé, c'est beaucoup mieux, tu vois, mon ami. Parce que là, tout regroupé, je vais mettre des traits et tout. Oh non, c'est bon. Hein. C'est mieux, là. Bah oui que c'est mieux. C'est mieux, hein. Quand il y a des espaces. T'avais oublié les espaces. T'as plus le bouton. Bon, allez, on va arrêter un peu de vanner et on va passer au classement pilote vu que je l'ai pas fait au début. Eh non, j'étais tellement emballé, motivé, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait, je me suis dit non. En fait, je vais l'avouer, j'attendais MC Mike qui vienne pour le faire, mais il vient de m'envoyer un message qu'il arrivait dans 10 minutes. Bah, il sera là pour la course au moins, voilà, il sera là pour la course. Allez, c'est parti, on va passer au classement pilote qui ne s'affiche pas, bien sûr. Ouais, ok. Bah, il n'y a pas de classement de pilote. Je sais pas pourquoi, tiens. Pourquoi il veut pas s'afficher, lui? Bah, on va pas passer au classement pilote. Tiens, on va passer au classement pilote, mais j'ai vite réglé ce souci. Le petit souci. Ah ouais, le petit souci. Alors, est-ce qu'il va apparaître maintenant? Maintenant, tu n'avais pas envie de le faire, c'est tout. Ah, il y a un peu ça. Mais non, mais à la base, il faut donner du travail aussi à MC Mike. Parce qu'alors, il est là sur le live. Il me fait... Voilà. Il me fait... Je vais pas dire le mot complet, on va être poli. Et à part ça, il fait rien. Voilà. À part rire, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc, je lui ai laissé un peu le travail. Mais bon, là, ça fait 10 minutes qu'il me dit, dans 10 minutes, il va être là. Donc, il sera là pour la course. Donc, allez, c'est parti, on va afficher ça. Ah là, ça s'est affiché. Donc, le premier, c'est Dragao avec 40,
48 points qui est ex-aequo avec Dark Smoke. Après, c'est Tigrou avec 41 points. Eh ouais, mon ami Tigrou, t'as 41 points. Après, c'est Romzy avec 36 points. César, 37. Yogotaga avec 26. Et Negan qui a 22. Tom qui en a 20. Et Pollux qui en a 12. Et Yushi qui en a 11. Et Brenbix, 9. Et après, je vous laisse lire le reste. Je fais les 10 premiers à chaque fois. Alors, Mike, c'est Mickey Mouse. Il faut bien le laisser mousser dans sa vie. Heureusement qu'il n'est pas là. Mais il le verra. Il le verra, il le verra. Il le verra plus tard. Et alors, on va passer au constructeur. Alors, nous avons Alfa Tauri qui a 84 points. Les McLaren ont 74, donc 74 pour les Français. Alors Renault qui a 52, Racing Point qui a 51, la Haas en ont 44, William 42, Ferrari 31, Red Bull 28, Alfa Romeo 12 et Mercedes, qui est très rare de les voir au fond, ont que 7 petits points. C'est très rare de les voir au fond de la grille. C'est très rare. Alors, chut, j'ai rien dit. Ah, t'inquiète, il le verra de toute façon. Il le verra, mon petit coco. Il le verra. Alors, on va passer au résultat de la semaine. Non, pas de la semaine passée, vu qu'on l'a pas fait. Donc, il y a 2 semaines. Donc, le premier, c'était Yogotaga, qui a fini premier. Suivi de Dark Smoke, deuxième. Et la troisième place, Tigrou, qui est en train de me parler depuis tout à l'heure. Et le pilote du jour était Tigrou. Et décidément, on va entendre sur le live Tigrou partout. T'es populaire, hein, Tigrou. T'as vu ça? T'es populaire. C'est pas magnifique, tout ça? Et alors, on va parler vite fait. Avant que je passe, que j'ai vu qu'il y a des premiers chronos qui viennent s'effectuer. On va vite passer au Grand Prix de Russie. Donc, le Grand Prix fait 5 km 800. Nombre de virages 19. On va pas mettre le nombre de places, on s'en fout. Première édition, ça a été inauguré en 2014. Et voilà, ouais, et Chotti, les meilleurs sont jamais très loin des monoplaces, non. C'est comme Monaco, et c'est très près. Tiens, on n'a pas les meilleurs temps. Il a mal fait ça, là, cette fois-ci, hein. Je préférais les autres fois, hein. Au moins, on avait les meilleurs temps et tout, hein. Nom de Dieu. Et voilà, bon, allez, comme ça, tout est fait, on est tranquille. Allez, hein, le premier temps, ça a été Dark Smoke qui nous fait 1.33.369, qui est beaucoup, qui est moins bien par rapport à la Q1. Et nous avons Negan qui prend la deuxième position en 1.33.385, suivi de Kurt Angel qui nous fait 1.33.532. Ramzy qui nous fait 1.33.943. César qui nous fait 1.34.161. Sativa 1.34.327. Et Pollux, ouais, voilà. Je cherchais après le nom, qui nous fait 1.35.024. Et c'est vrai que les temps sont un peu moins bien par rapport à cette Q1, car ils sont en médium. Voilà, j'avais dit qu'alors en Q2 que ça allait commencer à changer vis-à-vis des pneumatiques. Donc voilà, c'est fait. J'ai regardé un petit tour sur les Facebook, vu que je sais qu'il y en aura pas mal qui vont commenter aussi sur Facebook. Donc on va aller faire un petit tour. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis motivé. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas Mike, donc je suis motivé. J'espère qu'il va pas regarder, il va se dire ouais, je suis pas là, t'es motivé, tu vas rester tout seul alors. Eh non, ça va, on n'a pas trop de commentaires sur Facebook cette fois-ci. Je sais pas ce qu'ils ont compris. Si vous voulez que je vous lis vos commentaires, venez sur Twitch les amis. Et en plus, il sera marqué en plein live, donc ça peut faire plaisir à certaines personnes. Et surtout, n'hésitez pas à follow cette chaîne, ça me ferait très plaisir, énormément plaisir.
Ça ne coûte rien. Ça ne coûte même pas un euro. C'est gratuit. Et qu'est-ce qu'il fout, Mike? Ah ben, franchement, je me posais la même question. Qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 10 minutes qu'il me dit que dans 10 minutes, il arrive. Donc, 2 fois 10 minutes. Là, il va me dire encore, dans 10 minutes, j'arrive. On verra. Hein. Lady, il sera là pour la course. Je lui envoie vite un message. Ah là 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 là. Il est en retard, mon petit coco. Et attention, Tigrou qui a effectué le meilleur tour en 1:32.388. Et Yogotaga qui prend cette deuxième position en 1:32.880. Ça va changer. Les positions commencent à bien changer déjà. Et il faut être les 10 premiers. Enfin, les 10 premiers, il faut être dans les 10 pour passer en Q3. Et sinon, le reste sera éliminé. Ah oui, on a bien rire ici. C'est ça qui fait toute la différence. Comme je le dis assez souvent, le sérieux tue le sérieux. Et moi, j'aime pas avoir des choses trop sérieuses. Je suis pas commentateur réel, donc voilà, il n'y a personne derrière pour dire « Non, tu pouvais pas dire ça sur ton live, on s'en fout, on fait ce qu'on veut ici, c'est ça qui est bien !» Bon, on fait ce qu'on veut, dans la politesse et dans le respect de chacun, hein, bien sûr. Hein. On va pas commencer à venir insulter tout le monde, hein. Alors, on est sur Mama. Et j'entends un écho, mais Edza, je pense que Mike est arrivé dans la partie. Ouais, je suis là. Salut. Salut, salutations, Terrien. Comment ça va? Ça va, super. Et toi? Ah, ça va, je suis motivé ce soir. Je sais pas ce que j'ai, mais je te jure, je suis vraiment motivé. Bon, je voulais te laisser la tâche des classements pilotes et tout, mais j'ai dû le faire, vu que tu mettais 10 ans à venir. Donc, ah ouais. Voilà, j'ai dû tout faire, comme d'habitude. J'ai eu du retard. Ah, on voit ça. Et pas mal dans le chat nous demande, qu'est-ce que tu faisais? Où étais-tu? Et voilà, il est là. Ah, mais ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire où ce que j'étais, donc voilà. Oh. Ils vont croire encore que t'as été dragué encore. Non, après les gens ils vont dire quoi sur moi, ça. Ah non, ça va, après ils vont trop. Et attention, le temps qu'on parlait, Mama a pris la troisième position. Voilà, vos sorties de Sam. Et ça va être difficile ici de prendre cette rentrée des stands qui est assez compliquée quand même. Je rentre dans le jeu. Vas-y, rentre dans moi, dans le jeu. Je t'en prie. Je sens que ça va être encore... Ah, mais je suis déchaîné. Non, on va trop rigoler, donc... Je suis déchaîné. Alors, il faut que j'arrête de rigoler. Negan, il nous dit sur le chat, tu étais chez quelqu'un ou dans quelqu'un, Mike. Ouais. Moi, je dirais plus dans quelqu'un, moi. Mais bon, on va rien dire. On va être sage. Ah, on va rien dire, ça ne sert à rien, merci. Ah, ça va, on est à la Q2, ça va? Je suis pas arrivé trop tard. Bah écoute, j'ai cru que t'allais arriver pour la course, hein. Je me dis, bah si ça continue à me dire dans 10 minutes t'es là, dans 10 minutes t'es là et dans 10 minutes t'es là. Je me suis dit 3 fois 10 minutes, bah voilà, une demi-heure de Q1, Q2, Q3. Non, en fait, le truc, quand je t'ai envoyé la dernière fois, dans 10 minutes je suis là. En fait, là, voilà, je rentrais chez moi. Ah, ok. Le temps de brancher tout, de se mettre bien. Et voilà. De dire à mes parents que j'étais rentré quand même, quoi, voilà. Ouais, quand même. Nom de Dieu, là. Boire un petit coup. Eh oui, les gars, si vous êtes sur le live, Mike a que 13 ans.
Non, on va pas dire mon âge, je vais être choqué. Ils vont dire, il vit encore chez ses parents. Encore à cet âge-là? Bah écoute, j'en connais, hein, ils ont 40 ans, ils sont encore chez papa et maman, et quoi, enfin voilà. Moi, je reste chez papa et maman, c'est pour voilà, plus tard, pour être tranquille. Bah ouais, vous avez bien raison, j'aurais dû faire le même, mais non, moi je suis parti très jeune. Après, je le regrette pas, hein, mais voilà, chacun sa vie, comme je le dis. Et attention, Tigrou nous a effectué encore un meilleur tour que la fois précédente. En 1.32. Ah, Tigrou 388. Il est ici, Tigrou. Ah ouais, ouais, il a parlé sur toi, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, hein, tu verras dans la rediffusion, je te le dis. Il va te dire, mais qui il m'a balancé. Et attention, Dragao qui a pris cette première position en 1.31, 903. Non, 905. Apprends à lire, Tom. 905. Ouais. Je l'ai regardé. Tu seras pas moi, je suis en train. Tu seras pas à voir parce que. Comme tu viens. Regardez quoi? Ouais, si tu voulais regarder le chat, tu seras pas à voir ce qu'il a mis parce que. Ah, non, c'était pas ça que je voulais regarder. Je voulais... En fait, j'étais en train de régler mon. Le mode spectateur et tout ça, tu vois. Ok! Voilà! On s'en fout! Parce que vu que la semaine passée, on n'a pas réussi à le faire. Ouais, à cause voilà, de Bugmaster. Là, j'ai expliqué pourquoi on est sur ce circuit ce soir et pas sur celui du Japon. C'était bien ça, hein, c'était celui du Japon à la base. Hein. Du Japon, oui. Japon. Ouais. Du Japon, qu'en dit-on, hein, oh, 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 oh. Non, on va arrêter parce qu'on va dire qu'on est raciste. Ouais, non, j'aime bien, moi, les Japonais. Sur les citrons, sur les Japonais. Ah, quel bat. Ouh. Ah là là là. Ouais, Dragao, là pour l'instant, qui a signé le meilleur temps en 1.31.905 et je pense qu'il va pas, ça va pas. Enfin, attention, on a encore des tours lancés et il nous reste plus ou moins 30 secondes avant la fin de cette Q2. Alors, sur le chat, on nous dit « Enfin, il est là, ce Mike !» Eh ouais, les potes, il est là, Mike. Ok, j'ai un problème. Il est à côté d'un... attends, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ce bruit de fond? Donc, j'explique bien que Mike habite à côté d'un aéroport. Et c'est un avion, voilà, qui vient de décoller, là. Non, c'est sa PlayStation. Putain, c'est vrai que c'est démon, hein, quand même, hein. Putain. Ouais, c'est une 4 Pro, c'est pour ça. Elle fait beaucoup de bruit. Putain. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la 4X Pro parce que là. C'est X Turbine Pro. Je me serais envolé avec. Il aurait été inspiré comme dans Jumanji. Mais c'est peut-être ça, Jumanji, qu'est-ce qu'ils ont eu. Ah, à mon avis, ouais, ils se sont inspirés de la PS4 ouais. Pro. Moi, ouais, j'ai un sérieux problème avec Twitch. Pendant qu'on parlait, Tigrou a effectué la pole en 1.31. Et 251, eh ben d'adieu. Suivi de Dark Smoke qui est remonté en deuxième place en 1.31.581. Et y'a que des 1 partout, les gars. Allez, ça va être la fin. Je pense que nos pilotes vont passer leur tour. Je suis en train de regarder, moi je suis sur Negan, Negan qui est en train de faire son tour. Attention ici, son virage est coupé, donc il rentre au centre. Dark Smoke qui a effectué un bon secteur là, dans le secteur 2 donc. S'il est rapide dans le 3, il pourra peut-être venir en pole. De toute façon ici, le principal c'est de passer dans les 10 et non, il n'améliore pas son temps. Moi j'aurais su de lui, je serais rentré direct quoi. Ouais. Tu faisais un peu tes pneus pour rien quoi. Ouais, il était qualifié ouais, donc. Ça, Ouais. Enfin, moi, c'est un peu, on va dire. C'est un peu inutile, on va dire, voilà. Oh, il est en train de dire qu'il est inutile. Non, mais tu disais ses pneus ouais. Quoi, voilà. T'inquiète. Attends, après, je vais me faire insulter sur le chat, ils vont dire qu'est-ce qu'il dit. Il se prend pour quoi lui. Alors, Tigrou qui nous dit dans le chat, il a bouffé un peu ses gants, oui. Bah oui, c'est un peu bête. Putain, Ah ouais, mais moi j'ai un problème avec Twitch, laisse tomber, c'est violent. Dis à ta PS4 Turbine là, d'arrêter de turbiner là, parce que là. Putain, c'est. C'est violent. Il va prendre le départ pour s'envoler là, ta console. Ah ouais, mais c'est violent. Putain. Écoute. Hey, c'est déconné. Ah ouais, mais.
Ah, Tigrou qui nous dit dans le chat, j'avoue, ouais. Les oreilles. Ah ouais, je te rassure. Ah ouais. Bon, allez, c'est pas ouais, en plus, Antigrou, ouais, Antigrou, ça a vraiment les oreilles développées, donc voilà. bon, les éliminés sont Negan, Sativa, Rolf, ouais. Sam Rubio et Stefano. Et tu vois, moi je vois pas tous les. Il y a, à chaque fois, il y en a deux que je ne vois pas. Tu sais que tu peux descendre. Bah, César et. Non, non, mais regarde, je vois pas leur nom. Et où? Regarde, je vois pas leur nom. J'avais déjà le bug là depuis le début. Ah ouais? Ouais, je vois pas leur nom. Ouais, je sais bien que c'est César en 5ème, mais le 15ème, je sais pas par contre. Tu me l'as dit, mais. Ah ouais, Stefano. Ah, c'est Stefano. Ok, moi j'avais cru que c'était Pollux. Moi, on m'avait dit Pollux dans le chat. Bah voilà, t'as pas raison. Franchement, c'est la première fois que ça, que ça m'arrive. Bah écoute. Oh, elle est repartie, elle s'envole. Ah, ça y est, décollage. Allez, on va remettre. Décollage imminent. Meilleur tour. Hop. Et on va attendre que les pilotes sortent des stands pour cette Q3 en 12 minutes. Ouais, c'est déconné, hein, du 8 de la fermer là. Ah ouais, mais attends, je vais me mettre un peu plus loin. Hein. Je vais me mettre au bout de la chambre vu qu'elle est grande donc ça. Au bout de la chambre. Je vais même pas voir les noms là, je te le dis. Ah là là. Attends, j'ai un problème là, je dois me disputer avec une petite bébête. Dans ma chambre. Une petite bébête? Ouais. Ça c'est une araignée ça. Non, même pas, c'est des je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Je ne sais pas. Je te dis, j'ai des problèmes aux yeux pour le moment parce que tout à l'heure j'étais au téléphone avec avec Mike. Ok. Et je regardais par la fenêtre de ma chambre et je dis il se passe un truc au milieu de la rue quoi toi. Et je regarde je pensais que c'était des aller de loin, je pensais que c'était une biche, quoi, tu vois. Une biquette. Ouais, mais je te jure, je croyais que c'était une biche. Franchement, de loin, ça avait l'air d'être, on va dire, un chevreuil, quoi, voilà. Et en fait, ils se sont approchés, ils étaient deux, en fait, c'était deux chèvres. Ah ouais, ok. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mike qui a appelé Mike, hein. Donc c'est pas le même Mike, il s'est pas appelé tout seul, hein, les amis, hein. Donc voilà, hein. Cher, je suis pas pense, allez, j'ai passé pour un con pendant 5 minutes, je me suis dit oh mon dieu, je suis con. Mais en fait, de loin, je pensais que c'était un petit chevreuil quoi, toi. Ah là 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 là. Et Tigrou qui nous dit dans le chat ta race, je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour ce qu'on a dit avec les oreilles. Ouais, ouais. Avec les oreilles, je pense. Alors après, il nous dit les Red Bull piégés, et oui, ils se sont piégés en Q2. Ils ont pas su passer cette Q2 pour passer en Q3. Tiens. Alors, votre poleman pour ce GP. Bah, écoute, pas de préférence, mais tout peut se tromper. Mais moi, je dirais plutôt Dark Smoke pour le moment. Il tourne super bien. Ou peut-être toi, Tigrou. Moi, ouais, je dirais plutôt Jésus. Alors, il nous dit Dark ou moi. Bah, on sait pas, on va voir. Ou les autres. On verra, écoute. Moi, je. Je suis pas doué pour les paris sportifs, donc... Moi, franchement, moi... N'importe. Tant qu'il y a du spectacle, tant qu'il y a voilà. Pas de... On va donner la chance à tout le monde. Alors, Negad qui nous dit dans le chat, on va se rattraper pour la course, Tigrou. J'espère, c'est les pilotes Red Bull. Alors, Tigrou qui nous dit à Negan... Negan, je sais que tu vas remonter, mais reste derrière si tu veux. Je pense pas, hein, Negan va remonter. Après, entre les qualifications et la course, c'est très différent. Ouais, c'est différent parce que t'as déjà pas la même... Moi, je suis plus fort en course qu'en qualif. Ouais, quoi. Bah, c'est de même, hein, de même. Hein. Même si hier, j'ai encore effectué une course de caca, là, mais bon. Pas de ma faute. Cacaplot. Ah, on m'a foncé dedans, gros. Ouais, je te remontrerai après le replay. Je rentre au stand sur le Grand Prix d'Autriche et l'autre, j'ai pas, il prend le virage, il m'arrache tout l'avant. Ouais, ça j'ai vu ça. C'est hallucinant. Ouais, ça j'ai vu. Nous avons j'ai vu quand temps. Tu. Allez, je te laisse les dire.
Voilà. Ah, Dragao. Dragao premier en 1.31.990 avec son Alpha Tori. Deuxième, c'est. Je vais l'appeler Kaïs, non? Bah, c'est comme ça, ouais, c'est Kaïs. Ouais. Ah, Kaïs, ok. En tout cas, depuis tantôt, je l'appelle comme ça. J'espère que c'est ça. Oh, moi aussi, j'espère. Troisième, Dark Smoke. Quatrième, je vais bien le dire, César. César. Il faut que j'apprenne pour la semaine prochaine. Ah, je sais bien qu'à la fin, c'est Superstar. Ouais, Superstar. Mais aussi, le truc qu'il faut pas oublier de dire, c'est... Allez, la semaine prochaine, c'est la dernière course. Ah ouais, c'est la dernière course. C'est la dernière course avant la trêve. Voilà, pour les deux semaines. Il y aura deux semaines de pause. C'est, voilà. C'est partout comme ça, tu sais, de toute façon, mon ami. Ouais. Même ici, le championnat. Ah, je suis ton ami, toi. Bah ouais, t'es mon ami quand t'es là. Que je suis là, pourquoi je suis jamais là. Ouais, même pour moi, le championnat LAS, normalement c'était déjà fini. C'était la dernière hier, mais vu qu'on a dû reporter le Grand Prix de France pour le Grand Prix qui a. Je sais même plus c'est lequel, tiens. Celui qui a duré super longtemps. Bahreïn, ouais, voilà. Avec l'accident de Romain Grosjean. Donc on n'a pas su faire cette course. Ils l'ont remis à ce dimanche. Donc voilà, ce sera la dernière. Ah ouais. Ce dimanche. Et après, bah, deux semaines de congé. Enfin, congé pour certains, mais pas pour moi. Hein. J'ai continué à faire mes vidéos et tout. Et par contre, mon ami, à peu près demain, je ne savais pas streamer le groupe 1. Que se passe-t-il? Pourquoi? Ben, parce que demain, tout s'en va chez moi. Vu que j'ai internet mercredi. Ah ouais? Et non, j'ai quand même gardé le PC, un écran, bah, de quoi streamer quand même le championnat pour demain. Et après ça, bah, je démontrerai tout et j'irai tout mettre dans ma pièce Simracing. Ah ouais, les potes. Et attention, Dark Smoke a repris cette pole position en 1.31.732. J'ai mal le ventre. Heureusement que je le vois. Tant que t'as pas mal au cul, ça va. Heureusement, j'aurais mal au cul, je me poserais des questions quand même. Ah, ça, on sait pas ce que t'as fait pendant que t'étais en retard. Hein. J'ai rien fait. Et attention là, on est sur Tigrou. Et comme par hasard, il ralentit. Tigrou. Et il ralentit. Voilà. Bah, il le fait exprès. Il le fait exprès, bah alors on passe à autre chose. Allez hop, on passe à quelqu'un d'autre. Et on va regarder Yogo Taga qui est dans son tour. Ah oui, mais c'est normal. Tigrou a ralenti parce qu'il a coupé le virage. Ah ok, donc tour annulé. Ouais, tour annulé. Allez, on va aller voir un peu Yogo Taga. Yogo Taga. Et pour le moment, c'est Dark Smoke avec 1.31.732. Je l'avais dit. Ah bon? Je vois que Kurt Angel est en tour de sortie. Ouais, donc il va effectuer son tour rapide dans pas longtemps. Bien joué! Et je pense que le premier, ça sera. Il y a Enduro Yoga Taka qui va franchir la ligne. Pour le moment, son deuxième secteur en violet. Donc ça, c'est bon. Avec sa Williams. Franchement, la Williams, je la trouve trop belle. Pilote. Ah ouais, mais sérieusement, je la trouve. Pilote le dimanche, championnat là, c'est. Elle est très compliquée, hein, par contre. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais premier. Ouais, voilà. On l'avait dit. En 1.31.600. Je l'avais pas dit. Franchement, moi, j'adore cette voiture. Elle est belle, mais très compliquée à piloter. Moi, perso, je la trouve très compliquée, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est chacun. C'est bizarre, quoi, voilà, ça dépend. Pour. Allez. Et voilà, Kurt Angel qui est en tour rapide. Alors désolé les amis, si vous entendez un petit grondement derrière moi, c'est pas moi. C'est la personne qui m'a prêté la PS4 qui est là dans le divan. Il est tombé endormi. Il est en train de bien ronfler là.
Ah ouais, mais hey, il ronfle. Je l'imagine déjà. Ah ouais, il ronfle. Ah ouais, non, je te rassure, il ronfle. En plus, ce matin, j'ai sonné de ça. Et... Tu vois, il m'a dit, putain, j'ai eu du mal à dormir et tout. Ah, ouais, c'est peut-être ça, à mon avis. Ah ouais, mais ouais. Là, il ronfle. Hein. Ah, je te rassure qu'il ronfle. Hein. Ah là, il a pas du mal, là. Bah, allez, on est un peu sur Kurt Angle dans sa McLaren. Et on va voir ce qu'il va nous effectuer comme temps. Parce qu'il nous reste encore 8 et Tigrou qui n'ont pas effectué de temps. Et il nous reste presque, bon, presque 2 minutes de temps de qualification dans cette Q3. Et dites-nous hein, sur le chat hein, si vous entendez bien le son du jeu, si vous entendez bien MC Mike et si vous m'entendez bien, bien sûr. Au moins ainsi. Et si vous entendez bien ma PlayStation. Ouais, bah ça t'inquiète, on n'a pas dur à l'entendre. Ah, et Kurt Angle, semaine 9ème. Il a fait en 1:33.165. Punaise, tu sais lire? Eh ouais! C'est bien ça! T'as vu ça? Je me suis entraîné hein, toute la journée, je me suis dit, il faut. faut que j'apprenne à lire, s'il te plaît, Mike. Déjà que tu ne sais pas parler français, donc. Ah, une fouille! Là déjà! Là! Allez, il faut que j'arrête parce que. Tigrou est en tour de sortie, n'a pas le chrono, mais le problème. Je pense qu'il va être gêné par les deux qui sont devant lui. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il effectue des erreurs. Voilà, ça. Ouais. Ça l'apprendra à se vanter sur le chat. Ouais, ouais, voilà. Et avoir des oreilles comme un Tigrou, c'est de la triche. C'est le karma. Ça entend tout karma. Ça. Ouais, le karma. Que par contre, Dark Smoke, bah, il est peut-être pas premier, mais il est deuxième. Hein. Ouais. C'est vrai que Yogataga, il nous a effectué un bon chrono là. Une trentaine. Ouais, il a 600, fait un bon tour, franchement. 600 tours ronds. Bien joué. Bah, et après, il y a une pause. Je l'adore ce circuit. Bah ouais, normalement, comme d'habitude. Ouais, hein, 5 okay. minutes, hein. Ouais. Bah les pilotes, n'oubliez pas. Pause. On m'a l'habitude de le redire dans le groupe parce que dans le groupe 1 ça va, ils le connaissent, mais dans le groupe 2 ils ont un peu du mal des fois. Hein. Tant que la pièce tombe, comme on dit. Ouais, yeah. Des fois c'est pas une pièce, c'est un boulon. Non, moi je dis un billet. Un billet. Ah, ouais. Tant que ça flotte. Ça flotte, hein, donc ça vole le temps que ça fait comme une plume. Bah, allez, c'est là qu'il peut. Ah, il sait. Placé 4ème là, notre ami Tigrou. Bien joué. Il démarrera 4ème. Et il peut encore essayer de faire encore un tour là, hein. Attention, il est passé la ligne d'arrivée avant la fin des temps. Et avant la fin des temps, pense... ça fait un peu posi ça. Je pense qu'il aura plus de. Allez, comment. De RS, donc c'est un peu galère. Ah, écoute, on verra. Rien n'est fait. Il va tout donner en tout cas. Là, j'écris tout à l'envers moi dans le groupe, laisse tomber. Ah, à l'envers. Ah ouais, mais là, mais carrément. Moi, ce soir, je suis un peu poésie, à la fin des temps. Je sais pas d'où ce que j'ai été sorti, je sais pas. Je sors des choses. Ah, moi, oh là, je suis fatigué, un truc de fou. Oh là là, là 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 là. Parce que là, on m'envoie des messages de partout en privé, c'est hallucinant. Ah, eh yeah, ben, tu sais quoi, notre ami Tigrou, il s'est planté. Planté! Ouais, j'ai vu. Et là, je pense que Dark Smoke peut encore faire son. Ah non, 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 non. Ah si, 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 il va passer, il termine. Premier pour Dark Smoke. En 1:31.594. On parle français, hein. Yes, français. Bien joué, franchement, bien joué. Beau tour. Hein. Et je pense que Dragao est en... Ah non, il était plus en tour. Bien joué, franchement, bien joué à vous. De belles qualifs. Donc, premier, ça sera Dark Smoke. Deuxième, Enduro Yogataga. Troisième, Dragao. Quatrième, Tigrou.
avec son ami Winnie l'ourson. Cinquième, Case. Sixième, Mama. Septième, César. J'allais dire encore Kaiser, c'est un violent. Huitième, Romsey. Neuvième, Frank. Et dixième, Kurt Angel. Hey! Et voilà, nous avons ces 10 pilotes qui vont prendre place pour cette course. Et évidemment, les amis, une petite pause. Et mais il va arrêter de ronfler, lui. Je l'entends même avec le casque et tout, je l'entends. Oh! On allait là! Il y a des gens qui travaillent ici, hein! On va faire une pause de 5 minutes, hein. On va faire cette pause de 5 minutes. Et on se dit à tout de suite, les amis. You make my heart beat super fast. What does love feel like? Fast. Et voilà les amis, c'est parti pour le tour de formation. Bon désolé, il n'y a pas eu les 5 minutes parce qu'il y a encore quelqu'un qui a appuyé sur prêt. Et voilà, ça a du mal à respecter hein, ces 5 minutes de pause. Du coup, ben voilà, si vous voyez des disqualifications, c'est normal. C'est ceux qui nous aussi. Parce qu'il y a encore des pilotes qui n'ont pas eu le temps d'être là présents, donc ils n'ont pas démarré le tour de formation correctement. Ouais, heureusement qu'on a Messenger pour
pour leur dire quoi, pour les prévenir que ça a lancé, parce que sinon, ouais. Bah, ils lancent même pas la course. Ah ouais, non, ils restent sur la ligne de départ. Ouais, voilà. Ah ouais, parce que même moi, j'ai dû courir. Super course, hein. J'entendais Tom, Tom, Tom. Ouais, moi j'étais sur mon GSM et je regarde et j'entends des bruits de voiture, il se passe quoi là. Bon allez, on va vite régler mais... tout ça, parce que même moi j'ai même pas eu le temps de tout régler. Allez. Et voilà, on se cale sur la ligne de départ pour ce Grand Prix de Russie. Ah, j'aime bien la montagne russe juste en ouais, face. C'est tellement beau. Ah, moi j'aime bien le circuit là, j'aime bien l'environnement, j'aime bien tout. Moi j'adore, j'aime bien. Franchement. J'aime bien. J'aime bien la Russie donc ouais, j'adore. Aussi. Franchement j'aime bien. Allez. Attention au départ. Place. Et c'est parti. Ah. On attend que les feux s'allume pour ensuite s'éteindre pour prendre le pari au Grand Prix et voilà, c'est parti, parti, parti. C'est parti les amis. Et go, go, go. Pour ce Grand Prix de Russie, groupe 2, championnat QA. La 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 la. Et attention, oh, le crash de malade. Oh là là, ça embarque pas mal de monoplaces là derrière, hein, c'est la folie. C'est la folie. Oh là là, Negan abandon, Kurt oh Angel abandon, oh, Sativa abandon, The Lucas abandon. Oh, oh là le là crash là de malade là les amis. Et ouais, ouais, voiture de sécurité, hein, bah oui bien sûr là. Hein. Oh là là, qui crash. Oh mais là nous avons eu 2, 3, 4, 5, 6 pilotes déjà hors jeu. Ouf. Et ouais, les deux Red Bull en plus. Oh là 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 là. Et une McLaren, une Williams. Une Ferrari aussi, ouais. Yeshiva. Ouais. Et une Alfa. Alfa Tauri, ouais. Oh là là, Kekata, là, ce départ. Ah, le départ de malade. Mais là, il y a déjà plus de 13 voitures, quoi. Ouais, c'est ça. Et les pénalités, en plus, hein. Il y en a pas mal qui ont eu des pénalités. Donc 5 à 10 secondes. Oh là là, qui est départ de malade. Ah ouais, mais ça, je comprends, les autres pilotes, ils doivent être... ils vont être vénères, là. Hein. Ils vont être, Ah ouais, c'est logique. Tu t'entraînes, on va dire, toute la semaine et tu fais même pas en tour, quoi. Ce sera à revoir dans la rue du Fusion, qui s'est vraiment passé. Mm. Ouais. Mais bon, c'est comme en vrai, quoi, voilà. Ah ouais, là, ça en vrai, ça tapait, ils vont pas là, hein. En vrai, ils vont pas recommencer la course parce qu'il y en a 7 qu'ils ont abandonné, et voilà, quoi. Ah, mais là, ça a tapé. Ça a vraiment tapé. Ouais. Ah ouais, là, j'ai vu le crash, je me suis dit, mais il va y avoir un paquet d'abandons. Ok, un problème dans les classements. Oh là là, ouais, il faut le temps que le classement se remette à jour. Parce que moi, normalement, c'est Dark Smoke qui est premier, là. Mais bon, c'est normal, c'est un petit bug. T'as vu, par contre, l'info de qui a racheté Codemaster? Ouais, il faut même pas m'en parler. Ouais, franchement, oh là là, ça risque d'être... Oh, on se plaint déjà de Bugmaster, hein. Ah ouais, mais là... Mais là, les games, je sais pas. Préparez-vous... Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir, là, franchement, les games. Oh là là... Il y a eu un problème. Il y a eu un problème pendant... je sais pas... Il y a eu un gros problème, en fait, si tu veux. Voilà, Yeshi est en train d'expliquer. Il y avait une voiture bloquée au milieu de la piste. Ah bon? À cause d'un bug. Donc, je sais pas. Je sais pas... Tu vois, si c'est que 3 tours, peut-être demander de la refaire, je sais pas, franchement, je sais pas. Bah moi j'ai pas vu de voiture, hein, c'est ça. Moi j'ai vu une voiture partir dans le mur et ça a mais fait un effet boomerang et ça en bas. Mais moi en fait, le truc sur ma caméra, moi j'ai vu une voiture aussi au milieu de la piste qui ne bougeait plus. Tu vois, sur mon écran, moi il y avait une voiture, mais statique quoi, voilà, elle était posée au milieu de la piste et voilà. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et en plus, je me demandais, en plus, il nous dit dans le chat, qu'est-ce qui se passait en plus. Tu peux éviter une voiture, mais pas 15. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, là, c'était fait boum. Et en plus, c'est vrai. En plus, je l'ai vu, il y avait une voiture. Voilà,
comme ça. Et même je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est quand même bizarre. Et c'est un bug. Et en plus, ça m'a effectué 3 tours et nous sommes au deuxième tour. Enfin, voilà, c'est un peu. Voilà, on me le dit. Là, il y en a encore qui me le disent. Il y avait une voiture au milieu de la piste qui bougeait pas. Voilà, moi je l'ai vu. Je pense qu'on va parler. Mais dites-le maintenant. Ouais. Faites savoir ça maintenant. Parce que là, c'est pas ça, c'est pas normal. On va dire, c'est pas un crash. Allez, on va dire comme ça, volontaire ou pour la course, quoi. Voilà. C'est vraiment. Ouais, bah écoute, Negan aussi il me dit qu'il avait une piste au milieu de. Une voiture au milieu de la piste, pas la piste ouais. Au milieu d'une voiture. Là, il y en a. Et moi, je l'ai vu aussi. Donc. Ouais, bah écoute. Bah. Dites quoi. Ouais, je vais demander direct. Et au pire, on mettra en pause le temps de refaire tout ça et de reprendre un départ. Mais en tout cas, ça a été un très gros crash. Effet boomerang. C'est très impressionnant à voir. Je sais pas si normalement Tom The One m'écoute ou quoi le live ou César ou quoi. Regardez dans le groupe si vous voulez. Ouais, bah, c'est comme ils sont en train de piloter. Ouais. Pour voir si on relance la course ou quoi, je sais pas parce que là. On va dire avant que le départ recommence quoi. Voilà. Comme ça, on quitte vite, on met pause et voilà quoi. De toute façon, ça prend quelques temps. Ça prend, allez, 5-10 minutes, voilà. Là, on commence à m'envoyer des vidéos. Ouais, pareil, j'ai vu des vidéos aussi. Écoute, là pour l'instant, il y a Romzy qui a quitté. En même temps, il est plus de la partie, donc ce serait un peu bête de rester en mode spectateur. On me dit non, ça se relance pas. Ah, écoutez, on va attendre, on va voir si on relance ou pas. On attend les décisions des admins. Mais la voiture de sécurité va rentrer dans ce tour, je pense. Non. Ah si, elle va rentrer, donc pour l'instant on suit quand même. Et on attend le départ, le redépart et c'est parti. Moi j'ai un problème avec mon téléphone. C'est reparti les amis. Bon, en attendant, on va quand même reprendre la course sans savoir. On va pas rester là comme ça. Ouais, je sais pas, il reprend pas. Tant pis, on va rester comme ça et on verra. C'est malheureux à dire, mais bon, désolé. Ouais. Allez, attention, hein, Dark Smokey est premier, qui est suivi de Yogotaga, qui le lâche pas d'une semelle. Et César, qui est troisième. Et on va voir un peu où il y a des bagarres. Là, j'ai vu qu'il y a une changement de position entre les deux As. Tigrou qui a passé Sam. Et attention, Rolf, ils sont pas loin, évidemment, du fait que la voiture de sécurité vient de rentrer. Tout le monde est fort prêt. Enfin, fort proche plutôt. On va attendre un peu que les distances se fassent. Et attention, elle attaque là ici du pilote. Eh oui, sur Sam. Ouh, c'est sorti. Oh, ben voilà. Ça va, ça a cassé que l'aileron. Mais là, c'était. Voilà, c'était osé. Et ça a payé, pas dans le bon côté. Pour le pilote Mercedes. Du coup, il rentre au stand. Bah oui, c'est la meilleure solution. Et Mama aussi qui rentre au stand. Thank you.
Bon, attention, des difficultés aussi pour Franck, le pilote chez Mercedes. Un freinage un peu tardif. Et attention Tigrou qui est très proche là hein, de Dragao. Très très proche. Ah là 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 là. Ah ouais, quelle formule Grand Prix là, hein. Franchement on a perdu. Ouais, en fait à chaque fois, je sais pas parler au début parce qu'à chaque fois il y a des crashs, puis après je dois aller vite dans les groupes, ouais, je dois écouter. Ah, et attention Sam, ouais. Sam qui est au cul de Rolf. Ah, c'est très proche hein, pour le moment. Mais ça a l'air de glisser aussi pas mal. Et attention, pour Tigrou qui a fort glissé sur cette chicane. Et Darth Smoke qui signe le meilleur temps autour en 1.36.207. Ouais, j'espère qu'il y aura plus d'abandon, hein, puisque là il y en a déjà plus que 13. C'est l'attaque de Dragao sur Tom. Et c'est passé. Tom qui a été un petit peu en difficulté. Et là, franchement, le crash c'était violent. Ouais, hein. Ouais, c'était un violent crash quand même. J'ai pas cassé, là. Il était vraiment violent. Violent. Éliminer 6 pilotes d'un coup, voilà quoi. C'est... Mais là, franchement, moi j'ai vu qu'il y avait une voiture au milieu, voilà. Franchement, c'est la première fois que je vois. Alors, tout à l'heure, on parlait de Bugmaster. Il a pas apprécié. On est en train de se plaindre. Ah ouais, il a pas apprécié. Ouais, on est en train de se plaindre, mais attendez le prochain F1. Attendez. Là, je pense que je vais faire F1 sur risque... Assetto Corsa, moi, je pense. Ah, moi je pense que l'année prochaine, au nouveau F1, je n'y jouerai même plus. Ah, tout simplement. Ouais, Assetto Corsa, tu sais jouer avec les monoplaces actuelles. Ouais, voilà. Tu sais le faire. Hein, ouais, donc... voilà. Parce que non, le e-sport, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Ah non, non, non. Tiens, FIFA, il est injouable. Voilà, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous faire du Need for Speed. FIFA, attends, FIFA, t'es en train de jouer, tu tires sur le gardien au début qu'il est sorti. Mais au début, ça a duré bien un mois. Tu tirais au milieu, du milieu du terrain, tu marquais direct. C'est ça qu'il a dit mon pote, qui m'a dit. Attends, tu vas voir, déjà, FIFA, il est pas terrible, donc... Ah non, non, FIFA est complètement débile, franchement. C'est pour ça que tout le monde l'a pas pris. C'est vrai que je vois pas des masses jouer. Les mecs, ils jouent plus au 2020 qu'au 2021. Moi, je joue pas du tout. Je l'ai sur la console, je joue même pas. Et attention, hein, la Tigrou qui met la pression sur Dragao. Tigrou, Tigrou! Il lance des boules de miel. Oui, des l'ourson. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Il lance des boules de miel. Oh, on est méchant quand même avec lui. Ah, mais il le prend à la rigolade, donc c'est ça qui est bien. Il sait bien, de toute façon. Non, mais après, le truc, en fait, il nous menace en privé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ça qu'on nous. On vous le cache, tout ça. Ouais, il nous menace. Il nous menace avec Porcinet. Et attention, là, c'est Stefano, je pense, qui est fort près de Franck. Je ne vois pas les noms, hein. Ça, c'est perturbant, ça, quand même. Le dixième et le troisième, de ne pas voir les noms. Le dixième, c'est Stefano, et le treizième, c'est Mama. Ah, c'est... Mamato. Mamato ? Ok. Non, pas le treizième, le troisième. Excuse-moi. Ah, le troisième, c'est Jules César. On va arrêter. Et là, je vois que Stefano il attaque Franck. Mais ça passe pas. Il se laisse pas faire. Et aussi devant avec Dragao, Energy Tigrou. Ouais, Energy Tigrou. Ah ouais, Tigrou. Je pensais que je disais une connerie. Non, non, c'est bien, ils sont fort proches. Là pour le moment, c'est les deux qui sont très proches. Et Sam aussi qui est pas loin de Rolf. Et attention là, l'attaque de Stefano. Ouh, ça a mordu 5 secondes. Ouais, non. 3 secondes de pénalité. 3 secondes. Donc c'était un peu osé là le virage. C'était osé. Enfin. Moi je trouve que ce circuit là aussi il est très dur à doubler. Très dur. Parce que même s'il y a les zones de DRS, ça. On va dire si t'as encore le RS et que.
allez, tu joues avec ça, quoi. Tu joues avec le RS, et normalement, il ne sait pas te doubler. Ouais, c'est ça. Même si lui a le DRS, Sam c'est impossible. Qui a profité pour passer Rolf, ça y est, c'est fait. Et Tigrou qui est encore en bagarre avec Dragao. Ouais, et il a mangé 3 secondes de pénalité, Tigrou. Ouais, hein, pas mal de pénalités, hein. On va aller voir un peu ça au niveau des pénalités. Voilà, nous sommes de 3 à 13 secondes de pénalité. Donc, 3 secondes pour César, 5 pour Dragao, 3 pour Tigrou, 5 pour Tom, et 10 pour Sam, et 14 actuellement là pour Rolf, et 13 pour Stefano. Et attention, hein, ça attaque là, avec Tigrou et Dragao. Ou attention, Tigrou qui perd un peu son arrière, ça glisse, il nous fait du Tokyo Drift là. Pourtant il est en médium, il nous a effectué que 6 tours avec. Donc ça devrait le faire normalement. Ouais. Ouais, en médium en plus, normalement... Il y a 27 tours, donc je pense qu'il y a moyen de taper 14 ou 15 tours avec cela, quoi. Normalement. 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 Parce que moi, je te dis, j'arrive pas à gérer mes pneus. Je force de trop et je les use. Et attention, hein. Même si je les dure, moi, c'est comme si j'aurais des médiums. Là, Franck qui est repassé sur Stefano. Ouais, sur Stefano. Il y a beaucoup de pénalités, hein. Ouais, franchement, mal, Stefano hein. 13, Rolf 14. Et Rubio 10, ouais, 10. Et attention, Yogo Taga là, qui revient sur Dark Smoke. Ils sont très proches, ces pilotes. Ils n'ont pas de pénalité, par contre, ces deux pilotes. Et ça se bagarre hein, pour cette première place. Oh, attention, Dark Smoke qui s'est un peu loupé. Et oui, c'est loupé. Et Tigrou a doublé Dragao. Ouais, en même temps que le devant. Ouais. Ouais. Et attention, hein, là, Dark Smoke a perdu cette première place. Et je vois que Dragao, il glisse énormément avec ses pneus durs. Ouais, mais il a 8 tours hein, avec des softs. Maintenant, 9. Donc, je pense que ça va pas tarder à rentrer dans les stands. Et Yogo Taga, il est pas, en médium, hein, donc c'est peut-être ça aussi. Ouais, Dragao, les pneus durs, mais il glisse énormément, peut-être pas encore assez dans la température ou quoi, franchement, je sais pas. C'était le bon choix des durs ici. Est-ce que c'était vraiment bon choix? Je sais pas, franchement, je l'aurais pas fait. Moi, j'aurais mis médium. Dur en Russie, je pense pas. Je pense pas que c'est une bonne stratégie. Mais peut-être qu'il a fait la meilleure stratégie, on va voir à la fin. Hein. Moi j'y crois pas. Là dans le chat, Negan qui nous note, qui marque tu rates une semaine pour la course et tu fais même pas 500 mètres. Ouais. Ah, c'est vrai que voilà. Ouais, en plus, avec une voiture au milieu de la piste comme ça, quoi. Voilà. Encore des bugs. Ah, de toute façon, maintenant on aura toujours des bugs. Hein. Ça, il faut pas. Ils vont plus travailler sur le jeu. Hein. Ouais, il faut pas rêver qu'ils vont nous les enlever. Hein. Là, préparez-vous. Ah, des vrais bugs. Et attention, les deux Alfa Romeo, hein, quand même très loin derrière. Ouais, les deux Alfa sont très 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 loin. On commence pas à bailler. Même, Ah ouais, mais moi, aujourd'hui, je suis mort, je te le dis. En plus, Case, là, je vois que... Ouais, il a perdu énormément. Ouais, il a perdu énormément suite à son... Ouh, attention, là, de Stefano avec Franck. Ça se bagarre, hein, pour... 7-9 et 10ème place. Et là, Sam qui revient aussi sur Tom. Ah non, Dragao va rentrer maintenant. Remettre des médiums. Ok. Okay. Ouais, là, je vois que son... Ouais, je vois qu'il doit rentrer ce tour-ci pour mettre les pneus médiums. Je sais pas, je trouve ça bizarre. S'il va le faire en deux arrêts. Enfin, je sais pas. Je sais pas, là on va dire il est sûrement rentré quand il y a eu le premier crash. Il a mis les pneus durs et voilà. Donc il a fait que 11 tours avec les pneus durs, mais il est fort lent, hein. Franchement.
La Tigrou lui a mis 3 secondes. Hein. Ah ouais, je vois. Donc c'est énorme. Bon, attention, encore des pénalités qui pleuvent là. Avertissement répété. Ouais, pour Rolf. 3 secondes encore. C'est compliqué. Ouais, et là je vois que Sam n'est pas loin de Tom the One. Ouais, je suis sur eux et ils sont très proches. Mm. Et Stefano qui remonte aussi sur Franck. Ouais, oui, il se rapproche. Oh, t'as entendu, hein. Mike qui vient de se réveiller. Elle vient de se réveiller. Oh, magique. Ouais, mais je pense qu'il va demander pour dormir chez toi ou quoi aujourd'hui parce qu'il a trop peur de dormir tout seul. Ouais. Et attention, ça rentre dans les stands là pour Tom et Sam. Ouais, mais là, t'es d'accord avec moi, on est au 12ème tour. Ils rentrent déjà. Ils rentrent mettre des médiums alors, c'est ça? Ouais, parce que là ils sont en soft. Hein. Donc. Ouais, mais ils vont devoir re-rentrer alors. C'est pas possible. Non, c'est peut-être pas dit, hein. Il y a moyen de faire tous les tours. Enfin voilà, en médium, il y a moyen. En médium, il y a. Ouais, c'est vrai, il y a que 27 tours. Ouais, parce qu'en soft. Ouais, donc imagine, en soft, ils ont fait 12 tours. Hein. Là, je vois que Dragao, en dur, il. Bah, franchement, il glisse partout. Hein. Je suis sur lui, là, depuis tout à l'heure, je le vois glisser, mais c'est violent. Mais c'est peut-être pas les pneus, hein. C'est peut-être le réglage de son monoplace. Son setup. Ouais, peut-être. Hein. C'est peut-être possible aussi, hein, donc. Ouais, parce que là. Ouais, là je vois, il a fait 9 tours avec ses pneus durs et il est lent, mais ouais. Je le vois glisser et ça se peut pas que ses pneus sont déjà usés comme ça parce que regarde, Dark Smoke et César sont devant lui en pneus soft avec 11 tours et ils sont, voilà quoi, ils sont toujours sur la piste et ils sont rapides. Ça reste à voir et attention là, hein, ouais. Yogotaga qui prend presque 3 secondes à Dark Smoke alors que Dark Smoke il est en soft. Mais il est sur ce 11ème tour, donc avec les softs. Ce qu'il va essayer de tirer le plus loin avec les softs. Ah, ben voilà, je parle et il rentre au stand. Voilà, je parlais justement et là il rentre au stand. Ce serait très, très là, intéressant de voir. Et Tigrou aussi qui rentre. Ah non, 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 j'ai rien dit. Non, Tigrou il continue, il a les pneus médium. C'est César qui est rentré aussi. Ouais, César. Ah, je vois pas le nom, c'est chiant. C'est César et Dark Smoke qui sont rentrés, ils mettent tous les deux les pneus médium. Donc, ouais, ils vont faire la fin. Donc, Yogataga, logiquement, ils vont mettre les softs. Donc, ils devraient rentrer vers, on va dire, le 15e, 17e tour. Alors, j'ai deux pilotes fantômes qu'on voit pas leur blase et ils sont juste. 7 et 6ème, et franchement, là ça fait vraiment bizarre, on dirait un trou dans le classement. Moi ouais, je vois tout le monde, je t'avoue. Ouais. Attends, je regarde. Ah ouais, je vois, ouais, le 6 et le 7ème, ouais. Ouais, bah le 6ème et le 7ème, bah, c'est Stefano et César que tu ne vois pas. C'est chiant, hein, c'est depuis le début. Hein, ah, franchement. Bugmaster, merci. Et l'année prochaine, on dira merci, sport. Franchement, je vois pas. L'intérêt qu'ils ont racheté F1, je vois pas. Hey, ils l'ont déjà fait avant, dans le passé, excusez-moi. Ils l'ont fait dans le passé, donc. Et c'était des très bons F1. Moi, je m'en souviens, le e-sport, mais en plus, c'était mon préféré, c'était le 2001. Ouais. Que t'avais 4 saisons qui se jouaient ensemble. Ouais, voilà. Et franchement, ça serait monstrueux qu'ils fassent ça pour la saison prochaine, vu que la saison prochaine, bah, c'est la dernière fois qu'on a ces monoplaces. Ah, en plus. Donc, franchement, je trouve que ça serait vraiment très bien. Moi, je serais. Voilà, je serais content s'il nous laisse au moins le mode My Team, quoi. Voilà, ça, il faut qu'il nous le laisse. Mmh. Ça, franchement, ça, il faut vraiment qu'il nous le laisse. Et je pense que même eSport, ils peuvent faire des nouvelles choses, parce qu'on va dire, ouais, Bugmaster, ouais, ils ont fait, on va dire, des beaux trucs, quoi, mais voilà, quoi. Faut voir, écoute. Voilà, ça me reste sur la fin, quand même, quoi, parce que, regarde, pour les pénalités de ça, il aura fallu combien d'années pour nous le sortir, quoi. Ouais, j'avoue. L'avenir, il nous dira, hein, on verra, hein, ce sera... Mais j'ai hâte, quand même, de le voir. Franchement... De toute façon, tu le verras pas avant le mois de septembre, hein, je suppose. Hein. Ah, non, il sortira tôt. Il sortira plus tôt. Il sortira au mois de juillet ou au mois de juin.
Mais celui-ci, moi, je dis qu'il va sortir très 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 tôt. Même plus tôt que celui-ci. Vu qu'ils savent déjà, parce que l'année prochaine, c'est identiquement les mêmes monoplaces, la même puissance et tout ça. Donc, Ouais, je pense qu'ils ils vont... vont être attentes après les hivernaux pour qu'ils nous voilà, ils dévoilent les vont... livrets final, je pense, des voitures à des monoplaces. Et peut-être que après ça, ouais, peut-être qu'ils vont peut-être nous sortir le jeu, peut-être allez, peut-être un mois après. C'est peut-être possible. Moi je dis peut-être mai, voilà, mai, juin, truc comme ça. C'est possible. Parce que de toute façon, ils connaissent déjà tout. Vu que c'est les mêmes monoplaces, c'est les mêmes circuits, voilà quoi, y a rien qui change. Sauf les livrées, quoi, pour Renault, bah, maintenant ça devient Alpine. Pour Racing Point, bah, ça devient Aston Martin. Donc, Mercedes, logiquement, ils restent sur la même livrée. McLaren, ils vont changer un peu leur livrée, je pense, parce qu'ils ont été, ils ont eu aussi un nouveau sponsor que j'ai vu. Donc ça risque de changer les Ouais, ça couleurs. risque de changer à mon avis. Et attention, hein, on a eu une belle course quand même, hein, hier, pour la dernière de la saison. Ouais, mais moi je t'avoue, ce GP-là, je l'aime pas. Mais t'as vu, Franchement, hein, j'aime ils ont pas. réduit les moteurs Mercedes de Ah l'UMG ouais. pour garantir jusqu'à la fin. Mais moi j'aime pas. Sérieusement, Et j'ai horreur de cette attention, course-là. César là qui effectue. Ah, il était pas loin, mais je pense qu'il s'est rabattu sur Stefano. Et ils sont très près, ces deux Et ils sont très pilotes. près, ces deux pilotes. Désolé de t'avoir coupé, mais j'ai Désolé de vu une t'avoir belle coupé, bagarre, mais donc j'ai j'ai vu une belle profité. bagarre, donc j'ai profité. Ouais, cette course hier, Ouais, ouais. cette Bon, moi course je la hier, trouvais quand ouais, même pas j'ai mal. trouvé quand Après, même pas mal. Pérez, je trouve ça dommage pour lui qu'il a dû abandonner pour son dernier Grand Ah Prix. ouais, pour Perez, franchement, Voilà. voilà Par quoi. contre, ce qui m'a fait rire, c'est mon petit Kevin qui a fait un petit donut pour le plaisir, lui, un petit peu plus loin. Il s'est dit, bah allez, moi Ouais. aussi je vais faire un petit donut. Ça m'a bien fait rire, ça. Ah, franchement, c'était vraiment bien. Bon, malheureusement, il sera plus là l'année prochaine. Beaucoup de pilotes, hein, qui ne sont pas là, hein, pour l'année prochaine. Ouais, mais Grosjean, il y a Kevin, il y a Perez, il y a encore qui part. Il y a que ces trois-là, je pense. Oh, attention là, César! César avec Stefano. Et ça va. Il a bien récupéré sa monoplace. Mais il perd du temps là. Ça s'est un petit peu touché. Enfin, en tout cas, en Touché, plus. touché. Ouais, ça s'est frotti-frotti. Et en plus, avec. Touché, Avec touché, la chatte la laveur chicane là, elle est d'île. violente. Hein. La chicane, elle pardonne pas. Et ouais, désolé de t'avoir coupé. Mais bon. Non, je chantais. Et par contre, il y a Sam qui revient sur Rolf aussi. Hein. On va aller voir ça. Ouais, il revient. Et pas mal de pénalités. Hein. Limite, il n'y a que deux pilotes qui n'ont pas de pénalités. Donc, Dark Smoke et. Ah, je suis plus son blaze. Ah, Case, voilà. Ah, Ça y Case, est. Je voilà. cherche après. Mais Je cherche putain, après. avec déjà les trucs Et avec transparents, déjà là, les ça trucs m'énerve. transparents, là, ça m'énerve. Allez, est-ce que ça va se battre? Allez, est-ce que ça va Et se ça battre? se rapproche, hein, Et ça se entre rapproche, hein, Sam et entre Rolf, Sam c'est très et Rolf, proche. c'est très Et proche. attention, César qui est Et attention, revenu très César qui est proche revenu aussi de Stefano. de Stefano. Oula, ça se rapproche vraiment Oula, ça se beaucoup. rapproche vraiment Allez, beaucoup. on va aller Allez, voir ce que ça on dit va de aller ce voir côté-là ce que avec le dit de ce pilote côté-là avec le Ferrari pilote et le pilote Ferrari Renault. et le pilote Renault. Et voilà, ça le passe. César qui est passé sur Stefano. Ouais, et je vois que Yoga Taka vient de rentrer au stand. Ouais, je te l'avais Après dit, hein. 16 tours avec Je le te l'avais podium, dit, ouais. hein. Je te l'avais dit. Et Tigrou, il continue. Ouais, Tigrou, il continue, lui. Voilà. Il essaie d'aller au plus loin, je pense. Il essaie de récupérer Voilà. l'erreur de sa Q3. Voilà, et Yoga Taka, ben, il met les pneus soft. Ah ouais, il va essayer de tirer maintenant. Ouais, Voilà. Là, il va être très et il va rapide. être Hein. rapide. Il va avoir 10 tours à fond. Ouais, 10 tours en soft, c'est possible. Hein. Il va terminer peut-être Ah avec ouais. des 50 ou 60% d'usure, mais. Ouais, parce que regarde, il y en a avec les pneus soft. Bah, regarde, Brunbix, Oh, il attention est là, en César qui attaque Franck. Et ça passe. Oula, un combat très serré. Et non, il repère sa position peut-être.
Oui, il repère sa position. Oh là là, ouais, César, les pneus médium, 3 tours et Franck, 14 tours avec. Et il résiste là, Franck. Il résiste. Ouais. Et là, César qui remet la pression là sur Franck. Jules, César. Il faut que je la connaisse pour la semaine prochaine. Je la connais par cœur pour le dernier GP de la saison. On va faire. Voilà. On va faire effet bull rank. Ouais, la semaine prochaine, dernière course. Hein, donc. Après, pour cette trêve de hiverno de 2 semaines. C'est ça, hein. Mais franchement, je vais te dire quelque chose. Ça va bien un petit peu pour tout le monde, hein, je pense. Ah ouais, je suis content. Moi, je suis content. Franchement, je suis. Même si ça aurait été cette semaine-ci, j'aurais été hyper content. Ah ouais, César attaque Franck, ouais. Il plonge, il l'a. Bien joué. Et oui, attention, Stéphano, j'ai vu derrière qui était un peu sorti trop large. Mais ça va, il est toujours là. Bien joué de César. Et Dark Smoke qui signe le meilleur temps, 1:35.654, un pneu médium. Ouais, voilà, patate, bien joué. Mais attention là, Sam qui est très proche aussi de Rolf, mais il a perdu un peu de temps là. Ah oui, même beaucoup. Il est sorti du fait maintenant, il se fait attaquer par le pilote Mercedes et qui passe. Par Case. Il se fait passer, voilà. C'est l'erreur qu'il a effectué le pilote de chez Haas. Ça l'a, voilà, ça l'a coûté cher en tout cas. Ça l'a coûté très cher et il a un freinage un peu tardif encore là ici. Pourtant, il est avec des pneus durs en 5 tours. Donc, je pense qu'à mon avis, les pneus durs sont durs à effectuer ici. Ouais, franchement. Attention, Franck qui sort très large aussi. Franck, regarde. Hein. Mais il est en 15 tours avec les pneus durs aussi. Hein, donc, Je pense qu'il va pas tarder à rentrer. En fait, je pense que ça. Ouais, attention, là, une belle bataille entre Yogotaga et Dark Smoke. Yogotaga qui a repris l'avantage sur Dark Smoke pour cette 3ème place. Moi j'ai un bug d'affichage, moi. Ça me note que Yogotaga il est avec 0 tour avec ses pneus soft. Ouais, bah pareil, c'est ça de même, mais c'est normal, hein. Il a pas encore fait un tour. Hein. C'est sûr ? Ouais, je suis sûr. Regarde, ça va effectuer un là. Et voilà. Ah ouais, voilà. Ah, tiens, t'es intelligent, il a fait son meilleur chrono en plus. 1:34.205. Bien joué. Si tu crois là. Franchement, t'es intelligent, tu mets pas de jour en jour, franchement. Et attention, Mama et Brux qui sont passés par les stands pour remettre des softs aussi. Ouais, là, je sais pas c'est qui, c'est Mama, je pense, qui était en sortie là. Franchement, il m'a fait peur. Brandby, quand j'ai vu qu'il a laissé passer Yogotaga. Comment ? J'ai dit brusque. Pour Brunbix, ouais, c'est ça ? Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Brune, voilà, écoute. Je donne des surnoms à mes pilotes. Je sais pas, c'est peut-être un fantasme à toi, je sais pas. Attention Stéphano qui s'est dépassé par Tom. Ou alors. Ah non, il est dans les stands. Excusez-moi, non, il rentre au stand. Ouais, c'est bizarre après deux. Il a peut-être cassé son aileron ou quoi. Parce qu'après deux tours avec ses pneus soft, c'est bizarre. Je pense qu'il y a des problèmes d'aileron. Et n'hésitez pas dans le chat, les amis, soyez de partie avec nous. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu frustrés avec ce départ. Hallucinant. Ouais, ça se comprend. Parce que regarde, à part le départ qu'on a eu une voiture de sécurité, tout le reste, ça passe. En plus, la Russie, c'est pas un circuit que t'abandonnes. Hein. Non, même si les murs sont fort proches, enfin voilà quoi, c'est pas. C'est un circuit à l'aise, on va dire, mais là, il y a eu un énorme bug. Là, la voiture au milieu de la piste comme ça doit pas arriver. Là, c'est quand même bizarre, mais je vais regarder directement à la rue de Fusion quand ce sera fini, je vais regarder à ça. Regarde si tu la vois, toi. Ouais, j'ai essayé de la voir. Et c'est pas en bonne caméra, hein. Enfin, j'étais face à tous les véhicules, donc on verra. Moi, je l'ai vu, mais j'ai pas enregistré, donc. Est-ce qu'il y a des pilotes qui l'ont fait ? Dites-le nous, en tout cas, dans le chat, les amis, si vous êtes toujours là. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Arrête, ne chante pas, j'ai avoir un droit d'auteur. Ah, mais je chante, là. Je sais pas, je suis désolé. En tout cas, c'était fou ce départ. Il était vraiment dingue.
Et Franck est rentré au stand pour mettre les pneus soft. Ouais, j'ai vu. Il était peut-être temps, à mon avis, de rentrer. Et attention, hein, il y a encore Rolf aussi qui est rentré dans les stands. Ouais. Et il reste en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore 14 tours avec. Avec ses médiums et Dragao 17 tours avec les durs et Tigrou qui est toujours premier avec ses médiums en 17 tours. Ouais. Bah là, il va. De toute façon, Tigrou doit re-rentrer, hein, je pense. Ah ouais, bah c'est. Il a pas. Est-ce qu'il a déjà rentré ou pas? Ouais. Hein. Je sais pas, je vois pas combien d'arrêts. Ah ouais, combien d'arrêts? Bah ouais, Tigrou a fait un arrêt aussi. Donc. Ouais, il rentrera plus. Hein. Mais il faut faire attention parce que. Avec des gommes comme ça, enfin, ça va être dur. Hein. Ouais, en plus en médium, on va dire les durs, ouais. Voilà, Dragao, il peut le faire totalement et franchement, il a fait. Il a bien joué. Mais. Tigrou, il faut qu'il fasse attention, il reste 6 tours. Voilà quoi. On risque d'avoir une explosion, hein. Moi je vous le dis. Les pénalités sont dingues, par enfin, surtout Rolf qui a 24 secondes de pénalité. Ding, 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 ding. Ah, là, c'est vraiment dingue. Ah ouais, là c'est ding, ding, ding. Et attention, Stefano qui est passé sur Sam. Franchement, ça va, c'est une course propre. Hein. À part oh, attention, Sam le qui départ. Passe, Franck. Et des dépassements un peu partout. Ouais, ouais, franchement, ça va. Ah aussi, on n'a plus que 13 ouais, voitures. Y a plus que, c'est ce que j'allais dire, 13 pilotes, donc... Voilà. Et par contre, moi, hier, la course, j'étais heureux que McLaren ait terminé 3ème au classement constructeur. Ah, mais franchement, j'étais content, hein. C'est comme s'ils avaient gagné, ils avaient tout gagné là. Mais ouais, c'est vrai Que qu'on voit leur remontée quand ils étaient loin derrière ces années. Et là, ils sont fort montés quand même. J'ai pas le caché. Ouais. Ah, franchement, moi je suis content pour eux parce que moi je suis un fan de McLaren. Ouais, pareil, voilà. Moi, c'est vraiment là. Moi, c'est ma voiture. Voilà. C'est... J'avoue, c'est pareil pour moi aussi. McLaren, je les ai toujours suivis. Ouais, donc, j'étais voilà. Un peu dégoûté quand du temps qu'il y avait Alonso et Stoffel, ils étaient derniers, ils étaient nulle part. Bah là, ça va aller vite, on a que 3 mois de pause, puis après, ben, c'est déjà, Ça va aller c'est vite, déjà hein. L'Australie. Ça va aller très vite, hein. Ça se termine de plus en plus tard. En même temps, on a eu 17 Grands Prix cette année. Ouais. Donc, et en plus, ils ont été vite pour les faire. Voilà, ça a été très vite, mais ça a commencé très tard aussi à cause du coronavirus. Donc. Ouais. À cause de quoi? Du coronavirus. Ah, je connais pas. C'est quoi ça? C'est un con. C'est bizarre. C'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de cette chose là. Et attention, là, Sam qui attaque Stefano. Il a attaqué. Tom The One, là, il va se faire attaquer par la Mercedes de Case. Ah ouais, j'étais dessus juste avant aussi. Il reste devant. De voir les deux. C'est chaud. Vas-y. Ouh, il le double. Il le double. Ah oui, il le Case double. Là, ouais. Dans le tournant. Bien joué. Bien joué. Ouais, franchement, bien joué parce que là, il a vraiment pris de l'intérieur. Franchement, bien joué. Et attention là, Franck qui se bat avec Stefano. Est-ce que ça va passer pour le freinage ici? Eh oui, le passe dans le freinage. Ouais. Très propre. Bien joué. Bien joué, franchement. Mais là, c'est le moment de Mercedes d'avoir des plans. Oh là là, Tom The One, il a loupé son virage et tout, il perd énormément de temps. Je disais, c'est le moment de Mercedes d'avoir des points parce qu'ils sont derniers dans le classement, ils sont 10e, ils ont que 7 points si je me si je m'en souviens bien. Ah ouais? Ah ouais, ils sont vraiment derniers. Donc ce serait le moment là pour reprendre des points, pour remonter un peu. Ah, et demain c'est les États-Unis pour le groupe 1, et là j'ai peur aussi. Pour les pénalités dans le premier secteur, c'est violent. Ah, ouais, le S. Ah, ça c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Hein. Ah, déjà le premier virage, comme tu dis, hein, la fameuse chicane là. Bah, c'est vraiment le premier secteur, quoi. Le premier secteur, je le trouve. On va dire il est pas compliqué, voilà, mais c'est pour les pénalités, quoi. Voilà, les pénalités, c'est violent. C'est pire que la Russie.
Et des fois, même le truc qui est vraiment bien fait, je trouve, par Codemaster, c'est tu mets à peine la roue arrière gauche sur le vibreur, t'as une pénalité, quoi. Ouais. Même si en vrai tu l'as pas, quoi. Voilà. C'est Codemaster. Ils sont incroyables. Ou Rolf est disqualifié de la séance. Ah ouais, disqualifié. Maintenant, je vois juste qu'il a pris 3 Bah secondes de pénalité. Enfin, j'ai pas ouais. compris. Mais moi, ça m'a noté qu'il était disqualifié parce qu'il avait trop de Ah, pénalités. ça se pourrait, ça se pourrait. Ah ouais, voilà. Ouais, Il est disqualifié, ouais. disqualifié. Disqualifié. Ok. C'est la première fois que je vois ça. Trop de pénalité, hein. Voilà, ça pardonne pas. 27 secondes de pénalité qu'il Oh avait. punaise. Ah ouais, mais franchement, c'est la première fois que je vois ça que ça te vire de De la toute course, quoi. façon, hein, drapeau jaune secteur 1, donc je suppose que c'est pour savoir Ouais, monoplace. c'est pour ça, ouais. Voilà, il n'y a pas de voiture de sécurité. Non, de toute façon, il reste 3 tours. Ouais. Mais là, sérieusement, c'est Dragao qui a fait la bonne affaire, hein, de mettre ses pneus durs. Et Hein. attention, hein, Il a fait Tim la bonne Roux, à mon affaire. avis, va rester, et Dragao aussi, ils vont rester tous les deux avec leurs pneumatiques. Ils sont déjà à 21 Ouais. tours. Hein. Et ouais, Dragao, ouais, il est en plus dur, donc qu'est-ce qu'il s'est peut-être moins usé. En médium, là, je veux savoir à combien de pourcents il est. Il doit être sûrement dans déjà là, les 60%, ça c'est sûr et certain. Ah ouais. Lui, il doit être à la limite. Mais il perd pas de temps. Ça va pour le moment. Ouais, pour le moment, ça va. Franchement. Par contre, c'est Yogo Taga et Dark Smoke. Voilà, ça doit être un petit peu plus rageant pour eux. Mais franchement, j'ai hâte parce que là, je pense que ça va rester comme ça, les trois Et premiers. attention, hein. J'ai hâte. Yogo Taga qui J'ai remonte hâte très d'avoir. fort sur Dragao, hein. Ouais, j'ai hâte d'avoir Dragao quand même dans l'interview pour lui demander avec les pneus hard et ça parce que j'ai l'impression qu'il glisse énormément depuis le début. Mais il gère, franchement, il gère parce que là, en 21 tours avec, c'est bien. Ah, mais là, Bien je pense joué. qu'il va Et avoir un Tigrou peu aussi. de la pression vis-à-vis de Yogo Taga parce que là, il est en soft Bah ouais, un soft. et il commence à se rapprocher de plus en plus. 6 tours en Mais plus attention, seulement. Ouais, il va il va effectuer l'avoir, il une va l'avoir. attaque peut-être ici, ouais, dans le freinage. Et oui, Ouais, bien voilà, joué. bien joué, c'est fait passer. Et là, Propre. il a rien su faire. Ouais, très propre. Et il attaque Drago, le réattaque. Ouais, il réattaque direct. Et il repasse, hein. Ouh. Et attention, le freinage ici. Non. C'est un peu risqué, hein. ouais. Et propre des retardés. Ça se dit, en fait, un retardé. Hein. J'ai regardé, hein. Ah Ça oui! se dit, Ah hein, ouais. ok. Et Tu m'as propre, fait peur. il s'est décalé pour laisser passer place au premier. Ah bien joué, franchement. C'est propre. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Ouais. Il y en a, il croyait que c'est ta course, voilà quoi. Ouais, Vas-y. j'attaque, vas-y, moi aussi je vais Ouais. attaquer. Ils se disent, ah si, en vrai, ça joue comme ça, hein. Allez, Dragao attaque Yoga Ah, ça Taga. s'attaque, hein, là, ça. Ok, j'ai pas demandé de changer, mais bon, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Je pense que là, de toute façon, les 2 derniers tours qui restent, il faut rester sur eux parce que c'est vraiment Ouais. les attaques. De toute façon, c'est les plus Ouais, parce proches, que de ouais, toute façon, là. de toute façon, il n'y a personne Et d'autre. Drapeau jaune, je le vois. ouais. Ah ouais, mais c'est ouais, c'est normal, c'est l'Alfa Romeo qui se met bien sur le côté pour laisser passer Dark Ok, Smoke, bien ouais, joué. j'ai vu. Sur la mini-car, j'ai vu. Et attention, hein, Tigrou, hein, s'il résiste 23 tours avec des médiums. Il reste que 2 tours, donc j'espère pour lui que ses pneus vont résister. Ouais, Dragao n'est pas du tout Ah non, loin non, il est très de près, Yoga hein, Taga. il est très très près. C'est très proche en tout cas. Franchement, belle course. Ouais, malgré avec ce départ un peu Ouais, voilà. foireux, mais bon, voilà, c'est la faute de personne apparemment, donc Ouais, c'est un bug, on voilà, va tout regarder ça simplement. en rediffusion, on va Ouais, on regarder, va regarder quand même, examiner parce ça qu'on de sait plus jamais. près. Et Sam qui s'est pris une pénalité de 3 secondes. Ouais. Et on va voir un peu les côtés pénalité, ce que ça dit.
Ah, pour le moment, c'est que Stefano qui se ramasse 14 secondes quand même le plus. Mais à part Dark Smoke et je pense, ouais, c'est Case qui n'ont pas de pénalité. Ouais, Case. Ouais, ils n'ont pas de pénalité. Bien joué à eux, ouais, hein, parce que c'est dur de pas avoir de pénalité ici. Et attention, on rentre dans le dernier tour. Ouais, et Dragao et Yoga Taga se sont rapprochés énormément sur Tigrou. Ouais, hein, ouais, énormément. Ouais, ouais, ils se rapprochent. Hein. Que Tigrou a un peu du mal là. Peut-être ses pneus. L'essence en tout cas. J'espère qu'il va savoir aller jusqu'au bout. Le carburant, ça clignote. Mais comment que tu fais ça pour voir ça? Tu le vois, hein, il clignote, hein, la télémétrie. Ah ouais, ouais, ouais. C'est... Ah ouais, ok. Mais Dragao aussi, hein. Ouais. Je sais pas comment ils font, moi, la fin du GP, moi j'ai jamais ça. Ça dépend de ce que tu mets en stratégie, hein, voilà. Ouais, moi je fais hyper attention, je contrôle bien. Oula, attention, hein, Dragao qui a pris très large, il m'a fait même ouais, peur, mais. Je pensais qu'il allait. Ouais, ouais. Je pensais qu'il allait se prendre le mur. Ouais, moi. Il m'a fait peur aussi. Comme Sainz. Ouais, 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 vraiment. Ah, il sort large, Dragao. Ah, je pense que là ça devient limite, hein. Et pourtant, regarde Tigrou, il est en médium et il est en même tour que lui. Et, Ouais, là Tigrou il gère. Voilà, 2 secondes 1, 2 secondes 3, voilà, c'est bien. Ouais, il gère. Alors avec les pénalités, ouais. Bah, je pense que ça va aller. On va attendre le classement. Ouais, 24 tours avec ses médiums, franchement, bien joué. Et Case aussi, 21 tours avec ses médiums. Gotaga qui est parti un petit peu en dérapage, mais ça va. Il a su rattraper son monoplace. Je pense que Tigrou. Ouais, une seconde maintenant. Voilà. Ouais. Tigrou qui est. Ah non, Yogo Taga qui est passé devant Tigrou. Ouais. Ah ouais, avec les pénalités. Donc Yogo Taga, Dragao et Tigrou pour ses 3 premières places. Bien joué. Et on va attendre César qui va passer la ligne d'arrivée bientôt aussi. Jules. César. Superstar. Je connais que la fin. Il était quand même loin, César. Ouais, moi aussi, je connais que la fin. 22 secondes, ouais. C'était un peu compliqué. Ouais, il était loin. Dark Smoke aussi. Ouais, il termine 5ème. 4ème là. 5ème. Case, alors maintenant. Attention, Case n'a pas de pénalité. Donc ça peut jouer à ce niveau-là avec les pénas. Mais je pense pas. Oh, il était loin quand même, non, il était trop loin. Trop loin. Ouais. Trop loin de César. Ouais, ça fait que 20 secondes. Ouais, non, ouais, non, c'est. Ouais. Mais bon, belle remontée en tout cas, qui s'est un peu embrouillée au départ. Ouais, bien joué, franchement. Il a fait une belle course. Oh là là, terminé et ça se battait là, avec Franck et Tom, hein, jusqu'à la fin, hein, ça s'est battu. Ah ouais. Et Stefano qui va passer la ligne, voilà. Et il ne reste plus que notre ami Sam. Il va bientôt arriver. Donc premier Yoga Taga, deuxième Dragao et troisième Tigrou. Bien joué. Ouais, bien joué au pilote. Et bien joué à tout le monde en tout cas. Voilà, c'est fait. Et on va voir le pilote du jour. Et c'est Tom on the one qui pilote du jour aujourd'hui. Pilote Renault. Et on va passer, putain, et là c'est un Airbus, hein, que t'as, hein. Putain. Ah ouais, là, là il est vénère, je te le dis. Hein. Ouais, non, putain, il est pas content là. Ouais. Putain. Putain, t'es à côté? Non, c'est ça le pire. Oh punaise. Ouais, mais laisse-la tranquille, s'il te plaît. Ouais, alors, pour le moment, elle a ses petites choses, donc laisse-la tranquille. Putain. Elle est mauvaise humeur pour le moment. Donc, très beau podium en tout cas pour William. Hey, c'est bon, arrête là. T'inquiète, t'inquiète, elle se calme. Elle se calme, c'est la fin. C'est quand il y a les podiums. Alors, il y a Tigrou qui nous dit en chat, je ne viens pas en vocal, j'ai mal de partout, je suis trop épuisé. Dans mon peu de force que j'avais. Oui, parce que je te rappelle en fait que t'étais pas là, mais Tigrou était malade en fait, hein, aujourd'hui. Bon, heureusement qu'il était malade. Hein.
Il était malade? Ouais, il était malade. Hein. Donc, allez. Ah ouais, comme Lewis Hamilton. Ouais, voilà. Il était pas bien. Bien donc, bon, allez, on va passer à l'interview. Ça se passe maintenant. Tu peux me dire les noms? Alors, Dragao, du Yoka coup. Yoka Taga. Dragao. Ouais, voilà. Voilà. Bah, vu que Tigrou, il est gêné. Je suis pas en forme, là, il nous dit dans le chat. Ah, t'inquiète, ça se passe, ouais, t'inquiète pas, c'est pour rire. Ouais, mais Tigrou, t'aurais dû prendre du miel et voilà, te faire la bah gorge. Oui, hein. En plus, t'en manges tout le temps, t'as avec Winnie, réfléchis. Il est chaud avec du miel. Il réfléchit pas. Non, je pense pas. Mmh, il est avec Winnie toute la journée, je sais pas, Winnie pourrait lui passer quand même du miel. Alors, on va attendre que les pilotes nous rejoignent. Ouais, mais là, je te dis, je les cherche, mais je trouve pas. C'est violent. Je sais pas si je les ai. Moi, je les ai pas, je pense. Dragao et Yoga Taga. Je pense Yoga pas que Taga, je les ai comme ça. Je l'ai pas, hein. Mais Dragao, oui, ça, je pense que je l'ai. Attends, je cherche. Je cherche, je cherche. Je cherche. Moi je les ai pas. Non, je les ai pas non plus, voilà. Et c'est ça qu'on vous disait les amis, rajoutez-nous parce que sinon on peut pas vous inviter dans la partie. Tu peux ajouter le pilote du jour, Tom Zohan. Ouais, vu que... Ouais, peux... Et peut-être que lui il les a comme amis, donc ouais. Il va peut-être pouvoir... Tu sais réfléchir des fois, hein. Voilà. Je suis quand même intelligent. Et je cache mon jeu pour le moment. Oui, mais bon, ça, pour le moment je fais arrête... un peu le petit con. On n'arrête pas de le dire, de nous rajouter, voilà, pour ça. La prochaine fois, je vous tue, nous, qui dit notre ami Tigrou sur le chat. Oui, j'ai peur. Oh là, on tremble, on crache du miel. Le pauvre. Alors, est-ce que Tom Underman va rejoindre? Parce que là, on est un peu en galère, là, hein, les amis. On est un peu en galère. Ouais, c'est bon, coupe là ta console, là, toi. Punaise, t'es... Hey, ça attends, me bouffe les c'est oreilles. Quoi c'est quoi, tout simplement Voilà. Entente, j'ai quitté le jeu. Ah, ouais. Le second ah, direct. Le cam. Oh, ah, c'est abusé. Ah, ouais, ben là, on... T'as vu ça? Ah, ouais, là, on l'entend plus, là. Ah ouais, mais moi je te dis une chose, hein, je suis la slim, en les bas. Amis. Moi je l'entends pas la slim, franchement je en l'entends En bas je l'entends, pas. Ouais mais de toute façon ça sert à rien, il y a la PS5 qui arrive. Ouais bon, vous l'aurez au mois d'avril si ça continue comme ça. Oh c'est pas grave, moi je m'en fous moi bon, tu sais. Est-ce que Tom va rejoindre, tu l'as invité? Ouais je l'ai invité mais... Personne qui rejoint donc... Ouais écoute, c'est cool. Je pense qu'il n'y aura pas de... non, d'interview. Il n'y aura pas d'interview ce soir, malheureusement. Bah, mon interview, c'est moi. Bon, ouais, voilà, ma course. J'aurais bien voulu savoir les pneumatiques. Et tout cela, mais bon. Ma course était cool. J'ai eu des problèmes avec mes pneus. Et voilà. Est-ce que notre ami César les aurait. Deux amis, là. Attendez les amis, nous sommes là, hein, mais bon. On essaie d'avoir tout le monde. C'est compliqué hein, sur la PS, hein. J'ai pas autant de complications sur la Xbox pour avoir un interview. Hein. Ah bah voilà. Ah, Tom est là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment dire? Quand on parle du loup, il montre ça que ah, bah là, ça aurait sûr. Été Tigrou, ça aurait été plus sûr. Il va nous en vouloir, Tigrou. Ouais, il va nous en vouloir, je le pense bien. Bon, en tout cas, ben voilà, ben, on voulait dire déjà félicitations pour être le pilote du jour. Ben merci, merci. J'ai eu pas mal de chance. Ouais, voilà. Bah, tu peux nous raconter un peu ta course, hein, tant que t'es là. Hein, voilà. Et la course en elle-même, elle a été assez calme. J'ai pas vu grand monde. J'ai eu de la chance au départ. Ah, fameux départ. Hein. Mais en évitant le gros choc, quoi. Je pars de la 16e position.
Tout de suite après, je suis Ah 8e, deuxième t'étais tour, vraiment 4e. dans... Où est-ce que ça a pété, quoi, on va dire, en gros, hein. Ah, j'ai tout vu de très près. Ça devait être violent. Je sais pas si on peut dire que c'est beau à voir, Ah, mais mais en tout c'est cas, ça a fait... impressionnant. Voilà, c'était très impressionnant, ça c'est sûr. Ah, ça faisait du gauche-droite dans tous les sens. C'était C'était le pas les massacre. voitures sans involontairement, hein, à force de rebondir Ah, partout. mais ça a fait des ricochets, hein. Puis ça avait Ah ouais, ping-pong, c'est hein. ça. C'est parti partout. Tout le monde s'est tapé. Oh là là, c'était atroce. Par contre, notre C'est ça. ami Tom, aurais-tu au moins les deux premiers dans ta liste d'amis? Enfin voilà, parce que nous, comment on les a pas, on sait pas les inviter dans la partie. Alors, qui a fini Alors, premier? il y avait Dragao et il y avait Yogo Taga. Alors, normalement, je Il les y ai. a Tigrou, mais Tigrou ne s'est pas rejointe le live, il nous l'a dit sur le chat. Ah, le live, le groupe, enfin non, la partie, excusez-moi. Oh là là, j'arrive pas à m'y faire moi avec cette PS4. Alors, je vais inviter Yuga Togo, mais il y a des gens hors ligne. Ah, à mon avis. Ils sont timides hein, sur la PS4 hein, pour venir dans les parties. Les invites sont faites. On va attendre quelques minutes, voir s'ils vont rejoindre ou pas. Ce serait intéressant en tout cas pour voir, en tout cas surtout Dragao, voir un niveau pneumatique, parce qu'ils ont quand même effectué 24 ou 25 tours. Ouais. C'est une question qu'on se Ouais, posait voilà. avec Dark Smoke en Voir à fait. combien de pourcents ils étaient. Bon, à mon avis, ils étaient à l'agonie, mais ils ont quand même À résisté mon jusqu'à avis, la ouais. fin, donc c'est pas mal. Il a quand même bien roulé, il y en a un des deux qui est en blanc, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, Dragao qui nous a rejoint. Et bonsoir à toi, Dragao. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bonsoir. Ben voilà, ben déjà, félicitations pour ta deuxième... C'est ça, hein, ta deuxième place. Oui. Ben, félicitations à toi. Et ben, tu peux nous dire un peu ton ressenti par rapport à cette course déhanchée. Enfin, voilà, on sait bien que tu étais battu jusqu'à la fin, mais voilà, on avait des petites questions à te poser niveau aussi pneumatique. Mais on te laisse dire, on te laisse faire. Bah, d'abord, félicitations à Yugo Wata, je sais pas trop son nom, Ouais, comme on dit. Hugo Taga. Ah, C'est pas l'accent. il m'a bien déposé à la fin, malheureusement. Je pensais réussir à rester à moins d'une seconde de lui, ça n'a pas été le cas. Dommage pour moi. Mais mes pneus, ils étaient pas mal, hein, ils ont bien tenu quand même. Hein, mine de rien, j'étais même pas à 40%, donc c'était Ah ouais, pas tu mal. étais qu'à 40%, ouais, les pneus durs, ouais, c'est... Ouais. Ah Ouais, ouais, t'étais à 40%? j'étais à 40. J'étais à Mais 40. franchement, j'avais une question. T'avais du mal. Parce que je te voyais glisser énormément, j'ai resté quelques tours sur toi au début, là, tu vois. Bah, puisque j'ai pas mis assez d'aileron à l'arrière, j'étais à Voilà, 6. c'est le Ah niveau ouais, setup, tu ok. vois, c'est ce que je t'avais dit, hein. Ah, c'était assez top, ok. Parce qu'au début, je pensais que c'était à cause de tes pneus, puis après, ben, Ash Dynasty m'a dit que c'était sûrement à cause de ton setup. Ouais, pas assez d'aileron à l'arrière, et c'était au troisième secteur, je pêchais pas mal, quoi. Ouais, je te voyais, ouais. C'était vraiment là que tu galérais. C'est Mais bien ça. joué à toi, franchement. Ouais, je suis Belle course. content. Bah Je écoute, suis très content. tu ramènes quand même des points, des gros points quand même pour déjà le classement pilote et le classement aussi constructeur. Donc ouais, c'est pas mal, bravo à toi, franchement. Oui. Bah, de toute façon, l'homme à battre, on sait tous que cette année, c'est Tigrou et Dark Smoke, hein, de toute façon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Dasmoke Hein. qui a un petit peu galéré. Enfin voilà, c'est. Oui, je pensais Il qu'il allait revenir sur regrettait. moi. Ouais, il regrettait d'avoir pas mis les pneus médiums à la safety car au début. Bah, c'est ce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais gagner, et j'ai perdu 2 places dans la safety car, donc ça valait le coup. Ça valait le coup, c'est sûr. C'est ça. Et c'est dommage parce que en rentrant des stands, j'ai pris 5 secondes. Si j'aurais pas pris, j'aurais gagné. 5 5 secondes. secondes. En rentrant au Oh. stand, à vitesse excessive. Ah oui. Et non, c'était bon. Beaucoup C'était de dans la poche. pénalités. La première victoire. Malheureusement, ouais. Bah écoute, félicitations à toi quand même. Franchement, une belle Bah, place, merci bien à vous, en tout cas. méritée. Ben voilà, il y a Je Tigrou qui a pense. rejoint le groupe Un petit gros. entre-temps. Et à mon avis, Il a mangé du Ouais, miel. voilà, il a entendu, non, ton Non. expression qu'on voit, qu'on parle de J'ai nous, pas on voit mangé la du queue. miel, mais pour votre travail, je suis venu quand même. J'ai fait le geste. Ben, Ah, félicitations ça pour vient. ta troisième place. Merci. Ouais, franchement, Tu bien peux nous joué. dire un peu ton ressenti, vu que tu es là, par rapport à ta course. Ouais, bah, du coup, qualification. Q3, j'ai un peu galéré parce que je me suis pas senti super bien à ce moment-là.
Je tremblais un peu de partout, du coup je me suis complètement fail. Et puis la course, ça a été un peu des moments de déconcentration et beaucoup d'erreurs de ma part. Sans cette erreur, même avec les pneus à la fin, j'aurais peut-être pu finir premier. Mais je m'en veux pas parce que mon objectif c'était quand même de, voilà, de faire le podium en n'étant pas en forme, et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis content. Bah, félicitations à toi en tout cas, franchement bien joué. Merci. Voilà quoi. Et par rapport à tes pneumatiques, toi qui étais en médium, tu étais à combien de pourcents d'usure? 90 dans le dernier tour. Ah ouais, violent, ouais, violent. Ouais, t'avais dur à la fin. Ouais, on Ouais. voyait. Hein. Mais il était à Ouais, je la te limite, voyais. hein. Je l'avais dit qu'il était à la limite, hein, lui, hein. Lui, c'était sûr et certain. Et t'as eu de la chance de pas éclater, hein, parce que Bah, j'ai surtout arrivé. que surtout que un tour sur deux, je faisais mélange pauvre, après je faisais mélange riche, donc j'attaquais un Ah tour sur deux. ouais. Ouais, t'essayais de tenir le maximum pour au moins arriver sur ce podium. Bon, en tout cas, félicitations à C'est toi ça. et bien joué. Merci. Et je voulais prendre ton expression, Mike. Hein. C'est même plus maintenant, on va plus dire qu'on parle du loup, on voit la queue. Maintenant, on va dire que quand on parle de tigrou, on voit la queue. On va pas tuer maintenant. Le pauvre, on le fait tousser tout. Là. Bon, en tout cas, bah, après, voilà, une très belle course à vous, même si le départ était un peu chaotique. Alors, il n'y a pas d'autre Moi, mot. j'ai pas vu ce qui, moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai vu qu'il y a eu un gros crash Ah derrière. ouais, ça a Ah ouais, ricoché, une voiture ça a été au bizarre. milieu de la piste, c'était violent. Ouais. En tout cas, j'ai une pensée à Negan, ou juste avant la course, comme quoi qu'il disait qu'il allait remonter, et que moi, je lui ai dit, ça aurait été méchant qu'il allait rester derrière. T'as porté poids, t'as pas, voilà, tu vas pas porter la chance là. Ouais. Mais on se retrouvera à la prochaine avec Negan. Ouais, bah j'espère, hein, de toute façon, c'est Je sais plus c'est où la semaine prochaine. Bah, ça, c'est à toi de Ah savoir. ouais, c'est toi qui gères tout Franchement, ça. Attends, lui, il sait rien, franchement, la lui. semaine prochaine. Non, mais en fait, j'ai été décalé à cause Ouais, de la avec semaine passée. la Russie et le Ouais, Japon, ça a été Russie, retardé. Japon. Le Japon, je sais bien qu'on l'a supprimé maintenant. Donc, week-end prochain, je sais pas c'est quoi. J'ai pas le Franchement. calendrier, donc je saurais pas te dire. Je vais voter Ouais, ça. bah. Et j'ai juste un truc qui est juste à redire aussi sur la course. Vas-y, vas-y. Ah, justement, Top One. Je sais pas, mais t'es parti large à un moment donné quand t'as dépassé à l'extérieur. Quel moment? Bah, pour le deuxième virage, plutôt long. Quand Quand Ragaou tu m'as t'a doublé? dépassé, ouais, quand Ouais, Ragaou t'a je... dépassé, j'étais à l'extérieur. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire exprès de te laisser toute la place possible pour que tu sois tranquille, et je t'ai vu glisser, et je me suis dit, tiens, il va venir me percuter, heureusement ça s'est pas. Ah non, écoute, je t'ai pas vu du tout à ce moment-là. Enfin, je sais que vous étiez tous les deux derrière. Je me suis dit, je vais pas les gêner. Vous étiez beaucoup plus rapide que moi. Je me suis dit, ça sert à rien de vous embêter un moment. J'ai pris mon virage un peu trop large. Et du coup, j'ai pas réaccéléré pour vous laisser passer. Et désolé si je t'ai fait une frayeur en revenant sur la piste. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais une bonne course de ta part aussi, bravo. Ouais, je te dis, j'ai juste eu de la chance au début. J'ai réussi à éviter tout ce qui y a de mieux. Et puis après, j'étais quasi seul tout le long, quoi. En tout cas, Bon, bravo ici bravo. aussi pour le commentaire. Et puis Mike, t'es arrivé en retard, tu mérites d'être viré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est moi, c'est la première fois que j'arrive en retard. Ah non, la semaine passée aussi, Ah, mais ça fait déjà deux fois. La troisième, t'es bon. Ouais, viré. mais non. T'es viré, je te dis. Non, là, voilà, quoi, c'est... Alors. Demain, il sera en retard encore. Hein. Il va me dire, putain, Ginassi, j'étais en retard encore. Merde. Demain? Ouais? Ah non, demain, je suis là. Demain, sans Ah, il est là problème. demain. Ah, il est là. Il va faire exprès de rester chez lui, cloîtré. Il va pas sortir, il va rien faire demain. Demain? Ouais. Demain, je reste chez moi Voilà. toute la journée. Voilà. Je ne bouge Je pas. bouge pas. Je dors et tout. Voilà. Je dors et tout. Alors, vous avez trouvé c'est quoi le Grand Prix pour la semaine prochaine? Royaume-Uni. Ah, Royaume-Uni. Ah Ah ouais, là là, elle est ça va excellente. faire mal ça. On Ah, sera je l'adore. plus Je vous annonce, je vais essayer de faire la victoire, puisque là je l'ai perdue parce que j'étais pas en forme, mais je vais essayer de la faire la prochaine fois. Ah, écoute, Ça. on va voir cela, On hein. te le Ce souhaite. sera, voilà, ce sera ce que je te souhaite aussi. Et on verra Puis la semaine prochaine. Et puis si j'abandonne, Mike me devra 2673 euros de dédommagement. Oh. Ah, punaise, ils sont pas chiés les pilotes ici, hein. Non.
Bon, bah voilà. Bon, sur ce, bah, encore félicitations à vous en tout cas. Et encore merci d'avoir été là. Ça fait vraiment plaisir. Bon, même si. Avec plaisir, et puis merci à vous. Ouais, de rien, y a pas de soucis. Merci à vous, de rien, les gars. Mais bon, malheureusement, avec ce départ qui a été un peu. Enfin, c'était la misère, quoi. Chaotique. Ouais, vraiment, le chaos. Là, c'est le chaos total. C'était la fin du monde. J'ai jamais vu un accident comme ça, en tout cas. En tant que commentateur, c'est une première. En fait, c'était encore pire que Spa, quoi. Ouais, parce que à Spa, ouais, c'était à cause des pilotes et tout. Ouais, mais là ici. C'était voilà, une voiture fantôme. Ah, voilà. C'était extra, quoi. C'était violent. Donc, on ira voir ça au replay. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Bon, allez, on se quitte pour ce championnat groupe 2. Et place demain au groupe 1 à 21h sur le Grand Prix des États-Unis. Ça risque d'être aussi passionnant. J'espère que ça va pas faire un effet boomerang aussi au premier virage parce qu'il est quand même assez serré. Le premier virage, donc on verra ça seul. On verra cela plutôt demain. Et j'espère que vous serez nombreux à venir voir ce Grand Prix. Et on se dit à demain. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.